Allô, allô, allô. Bonjour, salut tout le monde, c'est le Forban. Aujourd'hui, je vais faire un stream, voilà. On va jouer à des jeux vieux, des vieux jeux, des jeux vieux, des vieux jeux, voilà. Sans grand intérêt. Et puis voilà, attends, je régler le son. Tac, je mets ça là. Et play. Voilà, hop, je mets en plein écran. Non, merde, merde, merde. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de stream, je sais même plus comment marche OBS. Enlever l'aperçu, mettre l'aperçu comme ça. Donc on est sur RetroArch, la plateforme d'émulation qui émule tout, et ça c'est beau. Je vais vous montrer un petit peu parce que j'ai fait des améliorations par rapport aux anciens streams avec RetroArch. Pourquoi ça marche pas ma manette? Parce que je n'ai pas focus la fenêtre, voilà. Donc ouais, on est sur la version 1.7.3, vous la voyez en bas à gauche. Elle apporte pas mal de nouveautés, assez intéressantes, toujours plus précises en termes d'émulation. Là, on arrive quasiment à la perfection. C'est marrant, on était 4, venait passer 3, maintenant on n'est plus que 1 en spectateur. C'est toujours drôle de venir, de passer, de venir. C'est pour ça que je mets le compteur maintenant, je vois les gens qui passent, qui viennent, qui partent. Ma foi, ça n'a pas changé, toujours des... Je vais pas insulter, parce qu'après ça va se vexer encore une fois, ça va pleurer, mais bon. Ça me fait toujours marrer. Donc, ouais, j'ai pas mal d'améliorations avec la nouvelle version de RetroArch. Avec un système qui permet de gérer la latence de manière à ce qu'elle représente, à ce qu'elle soit fidèle à la console d'origine, au hardware d'origine. Par exemple, il y avait une micro-latence dans Megaman. Ben là, vous avez la micro-latence en émulation. Et donc là, vraiment, c'est de l'émulation parfaite. Moi, j'ai vu quelques vidéos il n'y avait pas longtemps de gens qui critiquaient l'émulation. Ouais, on n'a pas le feeling de la console, on n'a pas la manette, on n'a pas la cartouche. Ouais. En fait, il y a deux types de joueurs. Enfin, il y a deux joueurs différents. Il y a ceux qui vont être fétichistes de l'objet, et c'est de la merde, en fait, pour moi. Hein, et ceux qui veulent jouer vraiment au jeu, à l'essence même du truc. Mais c'est pareil, partout quoi. Il y a ceux qui aiment le côté cou la couverture du truc et ceux qui aiment le fond du truc. Moi j'aime le fond du truc, j'aime le hardware du enfin le software du jeu quoi. J'aime le truc, j'aime le jeu et pas le côté fétichiste de l'objet absolu genre ah, je veux la cartouche comme à l'époque souffler dedans pour la mettre dans le truc etc. Ouais, ben va entreposer des dizaines et des dizaines de cartouches dans tes placards et dans tes trucs, et après viens me parler, quoi. C'est de la merde. Alors que là, de nos jours, aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2018, on a des émulateurs qui émulent à la perfection les consoles et les trucs. Bon, évidemment, quand moi je parle, souvent on me dit eh non, mais c'est pas ça et tout. Enfin, les gens, ils sont toujours à contre, enfin, ils sont toujours contre mes arguments. Alors que c'est des faits, hein, c'est factuel. Quand je vous dis que l'émulation est parfaite, l'émulation de la Game Boy est parfaite, elle est mieux que l'original même. De toute façon, toutes les consoles Nintendo, leurs émulateurs que vous trouvez sur PC sont meilleurs que les originaux. L'émulateur Wii est meilleur que la console Wii elle-même, parce qu'elle tourne en HD et que c'est plus propre et que c'est plus net et qu'il n'y a pas de lag, il n'y a pas de latence ou quoi que ce soit. L'émulateur N64 est largement meilleur que la N64 elle-même, qui est une console de merde, hein, avec du flou partout, des jeux qui rament, la manette bizarre, etc. L'émulation GameCube, pareil que la Wii, hein, parce que c'est le même émulateur. L'émulateur Super Nintendo, qui émule à la perfection la Super Nintendo, hein, c'est ni mieux ni moins bien. Enfin, si on veut mettre de la HD, ça sera forcément mieux que la Super Nintendo de base, mais en termes d'émulation, maintenant on arrive à la perfection. Il n'y a plus de jeux qui rament, il n'y a plus certaines puces qui n'étaient pas émulées. Maintenant tout fonctionne. Après, il faut juste choisir le bon émulateur. D'où le fait que je vous conseille de prendre RetroArch et de bien le configurer. Certes, il est un peu chiant à la configuration RetroArch, mais quand vous le configurez bien, il est nickel chrome. Et d'autant plus si vous prenez des full sets. Maintenant, avec un téraoctet de disque dur, on peut se faire quasiment le full set de toutes les consoles 16 bits et 8 bits. Voilà, après 32 bits, c'est autre chose, parce que les CD, ça prend beaucoup de mémoire, les ISO. Mais en termes de ROM, maintenant, on peut se faire tous les full sets. Par exemple, là, j'ai mis le full set NES, avec les jaquettes à côté. Pas tous les jeux ont les jaquettes, hein, parce qu'il y a des jeux, c'est assez obscur. Mais là, j'ai le full set de la NES, par exemple, ouais, avec toutes les jaquettes à côté, que ce soit en Occident, les jeux occidentaux. Américain, japonais, tout ça, regardez par exemple, 25e anniversaire Super Mario Bros. Ah non, ça c'est en dessous, je suis con. 2010 Street Fighter, hein, et pas, c'est pas le Street Fighter des combats, hein,
C'est autre chose. Enfin bref, voilà, vous avez toutes les jaquettes sur le côté, même les jaquettes japonaises, des jaquettes obscures. Donc ça, c'est excellent. Voilà. Franchement, moi, je comprendrais jamais les gens qui achètent les NES Mini, les Super NES Mini, les... C'est de l'émulation. On part du principe que vous n'aimez pas. Les gens qui achètent ces consoles-là, ce sont des collectionneurs qui aiment l'objet. Mais ils savent pertinemment que c'est de l'émulation. C'est pas, comment dire, c'est pas leur hardware d'origine. Bah, autant choisir le meilleur émulateur. Et le meilleur émulateur, c'est pas la RetroPie, je sais pas quoi, ou la SNES Mini, ou le... Non, non, les meilleurs émulateurs se trouvent sur PC, point barre. Donc, payez-vous une tour de PC, branchez-la sur votre télé avec les câbles HDMI, et voilà, on n'en parle plus. Mais arrêtez de vous tirer la nouille sur des consoles. Parce que moi, ce qui m'énerve là, pourquoi je suis un peu au taquet là-dessus, c'est que j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps sur un mec qui a acheté une Super Nintendo. Parce qu'en ce moment, ils vendent des Super Nintendo à 200 €. Mais c'est des Super Nintendo avec câble HDMI et le hardware d'origine. C'est-à-dire que c'est une vraie Super Nintendo, sauf qu'elle a une sortie HDMI. Et ils te vendent ça à 200 €. C'est pas la SNES Mini, hein. C'est une SNES toute noire, avec des manettes sans fil et des ports manettes normaux. Et. Ils te disent, ouais, mais attends, c'est la qualité ultime parce que c'est le hardware d'origine avec une sortie HDMI, donc pas de latence, pas de lag, c'est le jeu parfait, ce n'est pas de l'émulation et on paye ça 200 €. Bah, écoutez, hein, faites-vous enculer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faudrait que je trouve la vidéo et je vous la mette, putain. Voilà, c'est des trous de balle. Les gens sont cons, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils votent Macron, donc ouais, non, c'est des teubés, les gens. Les gens sont teubés, voilà, de nos jours. Les gens sont cons, voilà. On vous propose des trucs et vous êtes jamais content. Vous avez RetroArch qui émule à la perfection. On a fait plein de tests, les gens ont fait plein de tests. Même moi, j'ai fait des... quand je dis on, même moi j'ai fait des tests. C'est-à-dire que moi, je suis tellement un peu accro en termes d'émulation que j'ai les consoles d'origine. J'ai pris les jeux et j'ai comparé avec l'émulateur en me branchant deux écrans. Quand je vous dis que c'est identique, les émulateurs sur RetroArch sont identiques à l'original. Pas tous, hein. Je vais vous montrer quelques lacunes qu'a RetroArch quand même. Mais à 98%, tout ce qui est NES, SNES, Mega Drive, Game Gear, PS1, ça c'est quasi perfect. Quasi perfect. Mais même la console d'origine, des fois, elle galère, hein. Il y a des jeux qui tournent très mal, hein. Bref, voilà, hein. Donc voilà, on a les jaquettes, ça c'est marrant. Et comme j'ai pas moi les full sets de toutes les consoles, évidemment, bah, c'est cool d'avoir les jaquettes parce qu'on peut voir que certaines jaquettes sont stylées, d'autres non. Par exemple, tous les jeux japonais ont quasiment que des jaquettes stylées. Voilà. Ça, c'est acté, hein, depuis la base, depuis le 1. Par exemple, voilà, Adventure of Dinoriki, si je vois. Ouais, ça, c'est la version américaine. Voilà, elle est pas mal, la version américaine, la jaquette, pour ce jeu. Ouais, elle est plutôt jolie. Mais ça reste assez simpliste et je suis sûr que si on a la version. Il n'y a pas de version japonaise pour ce jeu? Non, il n'y a pas de version japonaise. Bref, mais si on trouvait la version japonaise de ce jeu, je suis sûr que la jaquette serait un artwork, ce truc magnifique. Attendez, il n'y a pas un jeu comparatif entre japonais et américain. Alors ça, c'est marrant. Toutes les jaquettes NES avec des bords dorés, c'est pour les jeux qui sont sortis illégalement entre guillemets sur NES, qui n'ont pas été validés par Nintendo parce que tous les jeux ont leur validation Nintendo. Et là, le En dessous, il y a l'officiel of Nintendo, là, juste en dessous, le macaron, là. C'est tous les jeux de l'époque validés par Nintendo qui sortaient sur NES. Et il y a eu quelques sociétés, comme Tengen, je crois, ou d'autres, qui ont sorti des jeux illégaux, enfin, entre guillemets, qui n'étaient pas validés par Nintendo et qui avaient des cartouches assez spéciales, comme celle-ci, par exemple, Retrozone, par exemple, voilà. Il y en avait d'autres. Attendez, il n'y a pas. Ouais, Akira. Ça, c'est la classe Akira Japan. Bon, le jeu n'est pas terrible sur NES. Mais bon, voilà. Regardez l'exemple. Akumajo Dracula. Ça, c'est Castlevania. Quand on voit la jaquette enfin, française, j'allais dire. Jaquette occidentale, ça n'a rien à voir. Regardez-moi ça. Akumajo Dracula, le premier Castlevania sur NES. Regardez-moi la jaquette. C'est un artwork. C'est stylé. Voilà, ça, c'est Bokula Dracula Kun. C'est Kid Dracula, en gros. C'est un peu un Castlevania pour enfants, entre guillemets. Il est assez sympa ce jeu. Donc voilà, on va pas toutes les faire, mais ça c'est la NES. Voilà, tac. On a toutes les jaquettes, c'est stylé. Ah tiens, ça c'est quoi? Anticipation. Ah oui, ça c'était un. C'est un jeu de plateau. C'est un peu comme tu veux jouer au Monopoly ou un truc comme ça. Salut Ellie. Donc voilà, il y avait plein de trucs. On a toutes les jaquettes, c'est stylé. Hein.
Moi, je kiffe RetroArch. Voilà, ça, par exemple, Arabian Dream, c'est un jeu. Je crois que c'est comme Doki Doki Panic. Hein. Alors, c'est pas Doki Doki Panic qui est le vrai Super Mario Bros. 2 qu'on a eu en France, en Europe et aux États-Unis. Archaon, ça va? Bah, écoute, tranquille, ouais, ça va. Archaon, je sais pas quoi. Tata Arkanoid. Je vais vous montrer une différence entre une jaquette Jap et une jaquette occidentale, mais je trouve pas. Tiens, regardez, voilà, tiens, bah voilà, tiens, bim bam. L'exemple ultime, regardez. Et là, en fait, c'est un contre-exemple parce que la jaquette américaine est meilleure. Mais bon, regardez Athéna. Alors Athéna, c'est le personnage Athéna dans King of Fighters qu'on a retrouvé par la suite dans King of Fighters, qui a été fait par SNK. Regardez la jaquette japonaise où c'est un peu manga, un peu érotisant avec une fille en bikini. Et juste en dessous, regardez la version américaine. Alors, vu que ça a dû sûrement être censuré, une fille en bikini très léger au Japon, ben, enfin, ça passe crème, hein, surtout qu'elle avait l'air très mineure, donc le délire un peu pédobir au Japon, ça passe. Alors qu'aux États-Unis, non, pas du tout. Alors, c'est Athéna, la déesse grecque, hop, on met un truc qui n'a rien à voir avec le jeu. C'est le même jeu, hein, mais la jaquette. Ouais, ils se sont dit, tiens, on va mettre une déesse grecque, parce que c'est Athéna, la Grèce antique et tout, mais alors que le jeu n'a rien à voir. C'est plutôt comme ça, le jeu. Ça, c'est assez marrant. Mais voilà, il y a plein de jaquettes comme ça. Et ça, c'est, en tout cas, c'est marrant dans RetroArch. On peut avoir, voilà, des jaquettes, des jeux. Et ça, c'est cool, voilà. Ouais, il y a des jeux de cul, hein. Il y en a. AV Poker, c'est un jeu de cul sur NES. Pas sorti officiellement. Mais voilà, c'est sorti avec la jaquette. Il avait sa propre jaquette. Et ça, c'est cool. Regardez, Back to the Future, la déesse grecque. C'est plus bandante. Oui, ouah. Je bande pas trop, moi, pour tous ces trucs-là. Alors, ça, c'est. Comment s'appelle cette société? J'ai oublié son nom, là, avec l'arc-en-ciel. Ils ont fait que des jeux pourris sur NES. Je me rappelle tout le temps. À chaque fois que j'avais un jeu avec Jaleco, voilà, c'est Jaleco. À chaque fois que j'ai. Non, c'est Jaleco ou pas? Attends, je vais peut-être dire une connerie. Est-ce que c'est Jaleco? Je sais pas. Regardez en haut à droite de la jaquette de Back to the Future. Il y avait un arc-en-ciel, voilà, cette compagnie qui avait un arc-en-ciel, à chaque fois qu'il sortait un jeu sur NES, c'était une merde infâme. Mais tout le temps, quoi, tout le temps. Je sais plus si c'est le nom, c'était Jaleco, quoi. Regardez, un clone de Double Dragon. Dragon Ninja. Ah. Ouais, les jaquettes étaient stylées. Regardez-moi ça. C'est pas stylé. Alors, je sais même pas ce que c'est. Tiens, je vais le lancer, peut-être. On va commencer par ça. Qu'est-ce que c'est que cette jaquette? Elle est stylée. Bakushu Start Mono Mane Shintenu. Je sais pas, ça doit être un karaoké sur NES. Hein. Sur Famicom plutôt. Parce qu'il y avait un micro sur la Famicom. Hein. Et même sans micro, tu peux pas chanter. On va le lancer juste par curiosité. Je sais même pas ce que c'est. Waouh, déjà. Ouh, le son, mes oreilles. On va baisser un peu le son. Qu'est-ce que c'est que cette schnapserie? Je sais même pas si on m'entend encore. Nom de nom, qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Du rockabilly, hein? Ça passe. Et donc, ouais, j'appuie sur Start. J'appuie sur A. Alors, je piffe. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ah, mais jeu typiquement japonais, hein. On t'entend. Ok, Ellie. Ok. Je sais pas ce que je fais, hein. Non, mais on va jamais comprendre ce jeu, hein. Ah, ça doit être un Monopoly ou un truc comme ça du pif. Hein. Bon, allez, merci d'être passé. Mais voilà, hein, j'ai le full set NES. Donc des jeux obscurs comme ça, j'en ai plein. Ça, c'est quoi? Ça doit être un jeu de manga tiré d'un manga. On va un petit peu regarder tout ça. Ouais, les Balloon Fight, par exemple, la jaquette américaine et la jaquette européenne, pardon. Et la jaquette japonaise, c'est la même. Sauf que vu que les cartouches étaient plus longues, on avait des jaquettes beaucoup plus longues. Alors qu'au Japon, c'était des petites cartouches Famicom, donc les jaquettes étaient plus petites en fonction de la boîte. Et la version américaine, voilà. Et là, pour le coup, je préfère beaucoup plus les jaquettes américaines, avec un style pixel art, vous voyez, que les versions japonaises et européennes, où c'était un dessin moyen, alors que là, c'était stylé, c'était plus représentatif. Les jaquettes américaines des jeux Nintendo étaient stylées. C'était vraiment stylé. Bon, Balloon Fight, je vais pas vous faire l'affront de vous montrer ce que c'est. Balloon Fight, voilà, on contrôle un personnage. Enfin, quoi qu'allez. Allez, je le lance en version européenne pour que ça soit bien 50 Hz et que ça rame. Voyez, on a différents jeux. Hop. Et on contrôle un petit personnage. Il faut pas éclater ses ballons, en fait. Attends, merde. Ah, mais l'inertie, j'avais oublié, bordel. Il faut éclater les ballons des autres. Voilà. Non!
Putain, j'ai perdu un ballon déjà, ça va pas le faire. En fait, faut bourrer la touche A. Il faut essayer d'éclater le ballon. On passe d'un écran à un autre, hein, quand on traverse. Hop, je prends ça pour gagner des points. C'est un jeu d'arcade. Hein. C'est un peu comme Mario Bros. Et pas Super Mario Bros. Hein. Parce qu'il y a eu Mario Bros en arcade. Donc voilà. Oh putain, lui, il faut le toucher avant qu'il s'en aille. Non, il va me baiser. Il va me baiser. Non! C'est le boss. Oh, ah, merci patron. Ça, je sais plus s'il faut... Non, il faut pas le prendre, ça. Et voilà, je suis con, c'est l'éclair. Et voilà, je suis mouru. Donc, Balloon Fight est un grand classique de Nintendo. C'est un bon jeu, hein. Moi, j'aime bien Balloon Fight. Je me rappelle, je l'avais sur ma NES. Ouh! J'ai failli me faire toucher par la foudre. Eh, merde, shit, motherfucker. Donc, évidemment, comme tous ces jeux-là, comme dans Donkey Kong, par exemple, le but, c'est de faire du score. Ouf! C'est un autre truc. Non, attention, il est au-dessus de ma gueule. L'inertie était vraiment sympa, par contre. Hein. C'était assez bluffant pour la NES. Au début de la NES, surtout. Est-ce qu'il faut que je le touche je... Ah, voilà, non, il s'est fait bouffer. Et voilà, on a fini le premier niveau. Bon, même si je me suis fait baiser. Et le deuxième niveau, voilà comment ça se passe. Donc ça, c'était un peu les premiers jeux vidéo de la NES. Hein. C'est... Voilà, il faut le toucher deux fois. Il faut pas le laisser. Voilà, bref. Je vais me faire baiser. Voilà, ça, c'était Balloon Fight. Un bon jeu. Franchement, un bon jeu. Moi, j'aime beaucoup Balloon Fight. Si vous avez la NES, prenez-le. Attends, on va regarder un peu encore les jaquettes de la NES. Ah, Barbie, ben voilà. Alors, Barbie. Ah, j'ai un nouvel abonné, mais j'ai pas mis le truc. Merci à toi. Enfin, un abonné. Pas un abonné, mais un followé. Mais j'ai pas mis la notation. Donc, vous allez entendre Son Goku qui crie, mais vous allez pas voir la notation. C'est pas grave. Merci beaucoup. Donc, Barbie, la jaquette européenne et américaine, c'est la même. Il n'y a pas eu de version japonaise. Ah non, il n'y a pas eu de version japonaise. Ah, c'est pas fait, franchement la même. Hein. C'est ce qui est bien dans RetroArch, c'est que vous mettez vraiment les jaquettes européennes et américaines. Ils se disent pas, tiens, les deux sont les mêmes, on ne va pas les mettre. Non, ils vous mettent, parce qu'on voit la différence, vous voyez, que le bas n'est pas du tout la même chose. Voilà, petit détail. Voilà, comme ça, vous faites les connaisseurs. Ensuite, on a quoi comme truc? On va se regarder les jaquettes. Alors souvent, hein, comme c'était fait à l'époque, à 99% du temps, plus la jaquette était belle, plus le jeu était pourri. Ça, c'était la base. C'est-à-dire que les mecs, ils mettaient la max sur des jaquettes, et au final, tu te retrouvais avec un vieux jeu de merde. Donc voilà. Ah, il y a encore des abonnés, mais je sais pas c'est qui. Salut à vous. Peut-être que c'est encore Volpi qui crée 12 comptes pour s'abonner. C'est pas grave. Bref, alors baseball, voilà. Comment... Alors baseball, vous voyez, c'est l'exemple que je vous disais tout à l'heure. La version japonaise, c'est un artwork dessiné, et la version américaine, bah, c'est le jeu, que je trouve plutôt stylé, les pochettes américaines. Et donc voilà. On va passer, ça c'est que du baseball, 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 baseball. Ah, ça c'est quoi? Bashi Bazook. Putain, je connais pas ce jeu, Jaleco. Ah, Jaleco c'était eux, alors j'ai confondu. Alors Jaleco c'est eux, regardez, à droite, sur la jaquette. Donc c'était pas Jaleco ce que je vous ai montré tout à l'heure, je confonds. C'est pas grave, donc on va voir ce jeu ce que c'est. Je connais pas tous les jeux. Hein. Oula, il y a un décompte. Qu'est-ce que c'est? Peut-être un jeu qui n'est jamais sorti, un concept. Bashi Bazook, Morphoid Master, Reasonable Rate, No Job in Zob. On va passer, hein. Je veux jouer moi, Start. Alors, c'est quoi ce jeu? Waouh, Samus, Metroid. Ah, une machine à remonter le temps. Waouh, crise d'épilepsie Land. L'an 2002, 4000, ah d'accord, il vient du futur pour aller en 1999. Ce qui était à l'époque le futur, hein. Hey, il a l'air pas mal, ce jeu, je le connais pas, moi. La musique a l'air funky. Est-ce qu'on entend bien la musique du jeu? Je sais pas si Ellie est encore là. Ou il y a des gens qui se manifesteront, peut-être. La musique est stylée, par contre. Attends, je vais augmenter un peu le son de la musique. Non! On peut se baisser et attaquer en même temps, ok. Ah d'accord, quand on reste appuyé... Enfin, quand on appuie une fois en bas, il reste accroupi. Voilà, les sauts ont l'air extrêmement rigides, par contre. On peut rentrer là. Ah, on peut rentrer. Make your soldier to check out all door. Ok, d'accord. Ah, le gameplay a l'air un peu lourdingue, par contre. On n'entend pas trop la musique. Attendez, je vais la monter, alors. Pas de soucis. Est-ce qu'on entend, là? La maniabilité a l'air lourdingue, par contre, hein.
Ah, là, on peut pas sauter. Ok. Impec, ok, Ellie. Ok, à la Metroid. On passe au niveau suivant. Le bruit de l'ascenseur, il est stylé. La musique a l'air dingue quand même. Dingue ou dingue. Hein. J'aime bien ce style de musique sur NES. Ok, je sais pas ce que je ramasse. Dommage que la maniabilité est rigide du cul. On n'est pas dans un Metroid, ça c'est clair. Ah, il me tire dessus, ce salon foiré. Ah, le bâtard. Qu'est-ce qu'il a, il s'excite en haut, là. Putain. Ah, là, déjà, ça rame. Alors, l'émulateur est stylé parce qu'il émule la latence. Et en plus, grâce à l'émulateur, vous avez le son en stéréo. Ce qui n'était pas possible à l'époque sur NES. Et là, vous l'avez en stéréo, normalement. C'était un fake stéréo, c'est-à-dire qu'on peut modifier la NES, hein, on peut le faire soi-même, ça à la maison. Pour avoir un fake stéréo, c'est-à-dire doubler les pistes à gauche et à droite. Ce qui donne un effet sympa. Donc là, vous l'avez, je peux l'enlever, hein, je peux me mettre en mono. Mais j'aime bien le stéréo, ça donne une réverb à la sonorité NES, qui n'est pas dégueu. Alors j'imagine que les pics, c'est one shot. Ouf! Non! Ouf, je crois que j'allais mourir comme dans Megaman. Mais non, ça va. On a une invincibilité quand on se fait toucher. Attendez, c'est par là qu'il faut aller? Là, il y a un mur. D'accord, en fait, c'est pas des niveaux linéaires. Il faut aller vers le haut, il faut aller ouvrir la porte, j'imagine. Ok, les ennemis repop. Comment je passe, là? Oh! Attendez, c'est une blague? Comment je passe? Je peux pas sauter. Ah si, je pouvais sauter, putain. Ah, la maniabilité, c'est pas ça. Hein. Par contre... Ouh, j'ai crevé. La piste est assez longue musicalement. Hein. C'est assez impressionnant. J'ai crevé. Attendez, est-ce que j'ai un menu avec des soins? Non. Select? Non. Take this $14 machin video. Voilà, machin. Ok. Mais c'était pas par là-bas qu'il fallait que j'aille. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ok, d'accord. Ouais, on dirait le thème de... Ah, on a dit checkpoint, cool. On dirait le thème de Zelda quand on meurt. Zelda 2. Bon, bah, c'était pas par là qu'il fallait que j'aille, à mon avis. Des niveaux labyrinthe sec. Ah, je sais pas ce que je ramasse. Putain! Hop! Il va vers le haut. Ah, je suis sûr que c'est ici qu'il faut que j'aille. Non? Non. Ça rame quand il y a deux ennemis. Deux ennemis sur un écran, c'est l'apocalypse. Apocalypse. Je sais pas par où je dois aller. Ok. Mais non, mais par là-bas, il n'y a rien à faire. Bref, bon, on va changer de jeu. Je m'y attarderai plus tard. Bashi Bazook, je sais pas si vous le connaissez, moi je connaissais pas. La jaquette avait l'air stylée, mais le maniement est un peu rigide du cul. Bon, Batman, hein, évidemment, Batman. La jaquette européenne et américaine, c'est la même. Hein. Sunsoft. Ouais, c'est quasiment la même, hein, sauf qu'il y en a une qui est plus colorée, mais ça, c'est juste l'image. Batman. Alors, Batman de la NES, celui-là, il est excellent. The Video Game, hein. C'est le meilleur, celui-là. Hein. The Video Game. Tiens, on va se le faire. En version, c'est celui-là, avec cette jaquette-là, je l'ai, hein. Je l'avais de l'époque, celui-là. Je crois que Barbie, il kiffe en plus ce jeu. Il en avait fait des vidéos. Oula, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il avait bugué le truc. On va passer, hein. Attends, c'est celui-là ou pas? Attendez que je me gourre pas, hein. Ah voilà, c'est celui-là. Il est excellent, celui-là c'est le meilleur. La musique est excellente. Alors il a plusieurs armes, Batman, hein. Voilà, le boomerang. Voilà. Ça c'est stylé. C'est le meilleur celui-là. Hein. En fait, il n'y a pas eu beaucoup de jeux Batman corrects, mis à part les Arkham City récents et ce jeu. Et après, pour le reste, c'est que de la merde.
La musique était ouf. Si je vous la fais écouter, je vais commenter. Non! Mais non! Je suis mauvais. Hop là! Et ouais, il avait le wall jump. Ça, c'était Batman. Hop! Il était stylé quand même. Ce putain de jeu. Je l'ai jamais fini. Trop dur. Ça, on a tout visité ici. De la vie, merci. J'adore cette zik. Hop, dans ta gueule. Merde. Hop, on va prendre le gun. Merde, j'ai tout gaspillé. J'aurais dû l'économiser. Et merde. Et putain! Non, là je me fais baiser, mais mon pote. Qu'est-ce que je suis mauvais? Hein? Tac, 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 tac. J'adorais l'animation de Batman. Là je vais me faire niquer. Hop, merci patron. Allez, un peu de vie s'il vous plaît. Oh là là, c'est même pas la peine de les combattre ceux-là. Non! Ouf. Mais j'ai pas de vie. Je vais crever comme un sac à merde. Je suis mauvais. Oh là là là. Batman est violé. Mais ça passe bien. Bah, le premier Batman des années 70, il était bleu, hein. Il était bleu avec un string. Putain, je vais crever. Encore un coup, je meurs. Hein. Raté. Voilà. Non, qu'est-ce que je suis con. Bah, ils l'ont fait violer parce que le fond est noir, tu vois. Donc, sinon, on l'aurait pas vu dans le noir sur noir. Ouais, merde. Game over. Une dernière tentative et après on change de jeu. C'est pour vous montrer, hein, je fais pas des performances là. C'est juste pour vous montrer. Mais il est vraiment cool ce jeu, je vous jure. Passer des après-midi avec mon frère, je me rappelle, à le doser. Ce putain de jeu. Putain, ces mines de merde, elles font chier. Chier, oh. On va économiser nos armes. On va les patater, ça va aller plus vite. Mais c'est l'un des, enfin c'est pas l'un des, qu'est-ce que je raconte, c'est un des jeux de la NES les plus maniables, je trouve, en termes de gameplay. Il s'apparente plus à un jeu 16 bits, vous voyez ce que je veux dire. La maniabilité, elle est assez souple, elle est pas rigide du cul. Hop, on a fait dépop l'autre. C'est un classique de la NES, hein, les ennemis dépop quand ils quittent l'écran. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que sa maniabilité, elle est pas lourde comme dans certains jeux NES qu'on avait. Il a vraiment une très très bonne maniabilité. Après ça, je vais vous montrer un autre jeu de la NES qui a une très très bonne maniabilité, mais qui est très peu connu, qui est l'un des jeux les plus rares de l'histoire des jeux vidéo, hein, carrément. La cartouche fait près de 500€. Mais grâce à l'émulation, tout le monde peut y goûter. C'est Little Samson. The Little Samson. Samson, quoi. Véronique Sanson. Hop. Il est mort. Putain, avec son jetpack de merde. Putain, je vais crever. Crève, salope. C'est quoi, on va le laisser dans son... Putain, il va me baiser. Je suis nul. Mais c'est parce que j'avais une arme trop lente. Bon, allez, c'est pas grave, on change de jeu. De toute façon, c'est juste pour vous montrer quelques jeux. Rien de plus. Donc ouais, Batman The Video Game, il est cool. Si vous l'avez jamais fait, faites-le, c'est cool. Par contre, Batman Returns, c'est de la merde.
Lui aussi, Batman Returns, c'est vraiment de la merde. Waouh, cette jaquette de l'amour. Batsu et Terry. Alors ça, c'est le jeu de baseball avec tous les héros Sentai, robots japonais. Battle Chest, ça je sais pas quoi. Ah, Battle Toad. Un classique Battle Toad. Rare. C'est excellent ce jeu Battle Toad. Par contre, à deux, il est imbaisable. Ah, quand vous jouez à deux, parce qu'il y a un système qui fait que quand on tape son pote, bah, les coups sont pris en compte. Et c'était impossible de terminer Battle Toad à deux. Avec mon frère, ça se terminait toujours à ce qu'on se frittait et il me faisait perdre toutes mes vies. Il continuait à jouer tout seul, quoi. C'est impossible de jouer à deux à Battle Toad. Si tu joues, tu joues tout seul et tu te fais pas chier. Regardez la jaquette japonaise de Battle Toad. Vous voyez la différence qu'il y a? Le dessin est très occidentalisé et là, ça fait très manga. Et beaucoup plus détaillé en japonais, je trouve. Alors que la version américaine, voilà, version américaine et européenne, c'est la même. C'est juste que là, elle est plus contrastée. Vous voyez là, la jaquette, elle est plus américaine. Le dessin est plus simple, j'ai envie de dire. Il y a plus de détails. Mais là, la jaquette est plus manga. Vous voyez? Mais ouais, Battletoad, à deux, c'est impossible. Faut vraiment jouer synchro et pas se taper dessus. Sinon, tu te fais baiser. Alors, il y a eu le crossover Battletoad and Double Dragons, que j'avais à l'époque aussi. Et qui n'avait que de nom, n'avait que de nom Double Dragon parce que c'était les mecs qui avaient fait Battletoad et non les mecs qui avaient fait Double Dragon. Donc le jeu c'était, ça pourrait plus à un Battletoad qu'un Double Dragon. Waouh, mais ça c'est déformant. Bibop Lula. C'est tellement le jeu déformant. Attendez, on va voir ce que c'est parce que je l'ai jamais lancé. Tellement la vie. Que les Japonais pour faire des trucs comme ça. Bebop High School 1988. Une belle année. Waouh, mais le charisme d'un homme est forban. Forban du net, c'est ça. C'est mon jeu. Dommage qu'il soit en japonais. Hein. Parce qu'il y a la musique et tout. Petit rockabilly. Waouh. Et donc, l'idole des jeunes, il est où? Ah, ça doit être un RPG, ça fait que blablater. Dommage que c'est pas un beat'em all ou un jeu de plateforme, là. Ça aurait été tellement stylé. Mais en tout cas, ce jeu a 30 points de charisme en plus parce qu'ils ont tous la coupe forban et ça, c'est la vie, un peu quelque part. On peut pas zapper? On peut pas. Bon, tant pis, dommage, dommage, y a que du blabla. Mais la jaquette est stylée. Rien que pour la jaquette, j'aurais pu l'acheter, ce jeu. Voilà. The Beauty and the Beast, La Belle et la Bête. Il y a une version européenne et c'est tout. Il n'y a pas la version américaine. Normalement, j'ai tous les jeux. Hein. Attention, Beetlejuice. Hein. Beetlejuice. J'arrive jamais à dire le nom. Beetlejuice. Et oui, ça c'est. Ben voilà, encore un arc-en-ciel. Comment c'était quoi cette société? Comment elle s'appelait déjà? C'était pas Jaleco, c'était qui? Je connais leur logo, mais le nom je l'ai oublié quoi. LJN, c'est ça? LJN. Ils faisaient que des jeux de merde. Que des jeux de merde. Derby Stallion, je sais pas ce que c'est. Best of the best. The best of the best. Voilà, ouais. Bon, on a plein de jeux de baseball, etc. La Bible, The Bible Adventure, hein. Vous ne rêvez pas, c'est le vrai jeu. Il existe, hein. Il y a eu une série de jeux bibliques sur NES. Il y en a eu plein, hein. Il y en a eu plein, même pas que sur NES d'ailleurs. Mais il y a eu des jeux comme ça qui prenaient la foi ou qui faisaient frémir les athées. Voilà, tac, il y en a eu plein. Alors ça, c'est les Cugnos. LJN. Mais ils avaient un nom. Leur nom, c'était quoi? Ça, c'est leur pseudo. Enfin, c'était leur le logo, non? Il n'y avait pas un nom, un autre nom. Je sais plus comment ça s'appelait. Enfin, bref, de toute façon, ils faisaient que des jeux de merde. Ah oui, Bio Miracle Boku Te Upa. Ça, c'est alors en japonais, Bio Miracle. Et en Occident, je sais pas ce qu'il aura pris. Acclaim? Non, c'est pas Acclaim. Non, non. Je sais plus ce que c'est, mais c'est pas grave, tant pis. Ouais, Bio Miracle, alors c'est marrant, au Japon, bah, c'est Konami qui a fait le jeu, Bio Miracle, rien à voir avec Nintendo, évidemment, parce que c'est Konami, même si c'est sorti sur NES. Donc Bio Miracle, c'est un bébé qui utilise des pouvoirs magiques, etc. Et pour le vendre en Occident, je sais pas ce qu'ils leur ont pris dans la tête, ils ont indiqué que c'était le bébé de Mario, c'était Mario en bébé. Ce qui n'a rien à voir avec Mario, ça n'a rien à voir. La jaquette occidentale, je l'ai, hein. Il y a écrit dessus, c'est l'enfant de Mario, nanani. Non, c'est pas l'enfant de Mario, c'est Mario enfant. Bébé, quoi. Avant, bébé Mario et tout ça, là. Et en fait, ça n'a rien à voir. C'est Konami, on ne sait pas pourquoi. En japonais, ça, il s'appelle Bio Miracle.
Ils se sont lâchés, les mecs. Ils en ont rien à foutre. Ah, Bionic Commando. Alors ça, c'est assez intéressant de voir la jaquette de Bionic Commando, qui n'a absolument rien à voir entre la version japonaise et occidentale. Les Bionic Commando, c'est différent, mais même en Europe, entre l'Europe et les USA, c'est différent. Alors, c'est le jeu de Capcom, hein. C'est le personnage qui ne peut pas sauter, mais qui a un grappin, donc il peut s'accrocher aux parois. Donc, Bionic Commando en Europe, regardez la jaquette, et Bionic Commando en Amérique. Laquelle vous préférez? Enfin, honnêtement, je préfère la version européenne. Pour le coup, ce vert-là, avec ses colons jaunes, il a la classe. Alors que là, ça fait un peu G.I. Joe du pauvre. Ouais, j'aime bien la version européenne. Bionic Commando, les styles. Non mais qui a fait un don? Alors j'ai même pas affiché. Non mais n'importe quoi. Alors m'envoyez plus des dons, hein. Putain, j'aurais dû enlever les trucs des dons. N'importe quoi. N'importe quoi. Merci, mais faut plus envoyer des dons. Je vais l'enlever, oh là là. Oh là là, attendez, il faut que j'aille sur le site pour voir qui a fait un don ridicule. Il fallait pas faire de don. Faut plus faire de don parce que je n'ai plus de compte en banque, donc ça ne sert à rien en fait. Donc à moins d'avoir 2-3 sous sur PayPal, mais j'ai plus de compte en banque. On m'a radié de la banque parce que j'ai plus d'argent. Mais merci à toi, mais je vais te les rendre en fait. Ça sert à rien, je peux plus avoir de don. Donc je peux plus avoir de sous et putain, j'aurais dû l'enlever. En plus, j'ai oublié parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de stream que j'ai oublié d'enlever le truc des dons. Attends, donation qui m'a envoyé ça. Putain, il m'a donné 10 euros. Frodon. Mais n'importe quoi. Mais alors là. Qui m'a donné 10 balles? Non, mais je te les rends, Robert. C'est qui, Robert? C'est Lenny? C'est Volpi? C'est qui m'a filé 10 euros? Je lui rends parce que je peux même pas les toucher. Donc ça sert à rien. De toute façon, je fais plus de dons. Ça ne me sert plus à rien. Parce que j'ai plus de compte en banque. Donc, on m'a radié de la banque. Tac, plein écran. Je te les rendrai, Robert. Alors, qui est Robert? Je ne sais pas. Mais sache-le, tu te manifesteras sur Facebook et je te les rends. Parce que je ne peux même pas les encaisser. Oui, il s'appelle Robert, il n'a pas mis son nom. Mais ça, c'est Volpi, à mon avis, Robert. Hein. C'est ça, c'est Volpi. Ben, Volpi, je te les rends. Je te les rendrai ben, par PayPal, malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Je sais même pas comment je pourrais te les rendre différemment, en fait. Oui, je dois être Volpi. Mais il faut plus, j'ai plus de compte en banque. On m'a supprimé mon compte en banque, je peux plus toucher d'argent, j'ai plus rien du tout. Alors, on était où on était, hein? On était sur oui les jeux. Alors voilà, basse machin. Blade of Steel, ça il est très bon ce jeu de hockey. Je sais pas si vous l'avez connu. C'est un jeu de hockey fait par Konami avec entre les mi-temps. Il y avait de la pub pour Konami et vous voyez des Gradius, le vaisseau de Gradius qui volait et tout. Il y avait un mode battle, on pouvait se battre. Tiens, je vais lancer une partie, mais vite fait, vraiment vite fait. Il y avait un mode battle où on pouvait se fighter. Blades of Steel avec la digite vocale dégueulasse. Mais il était vraiment cool ce jeu, vraiment. Blades of Steel. Exhibition, on va s'exhiber, hein. On va se mettre en junior. Ah, j'adore la sélection des ligues, junior, collège ou pro. On va se mettre en junior. Hein. Alors, on peut choisir des équipes. Je vais baisser un peu le son. Est-ce que le son est bon là? Parce que je crois que je l'ai monté un peu fort. Alors, on peut choisir New York, Chicago, Los Angeles, Montréal, Toronto. Ils n'avaient pas les licences, hein. Mais évidemment, il y avait les noms des villes. Alors, on va prendre nos amis de Montréal contre Chicago. J'ai bourré la touche comme un salopard. Il y avait un mode bataille. Vous pouvez se mettre des pains. Mais c'était vraiment excellent ce jeu. Le son est bon, ok, merci les souris. La parade danse. Nanana, parce qu'on faisait de la patinage. De la patinage. De la patinoire. Je faisais du patinage artistique avant de faire du hockey pour se taper sur la gueule. Junior League Exhibition Montréal contre Chicago. Alors je sais plus y jouer à ce jeu, mais je l'avais. Hein. Et on kiffait avec mon frère parce qu'on se mettait des patates avec. Alors ça c'est moi hein, quand je clignote. Et là j'ai tiré comme un connard. À 30 mètres des cages. Et comment j'ai oublié du... Comment on contre... Non la passe putain. Ah oh, vite Marc. Mais putain Marc bâtard. Alors on pouvait... Putain Marc. Foiré de ta race. Faut que je leur rentre dedans. Putain je sais plus jouer à ce jeu. Alors ça c'est mon gardien. Alors là je fais une passe.
Allez, j'aimerais bien vous montrer une bataille, mais je sais même plus comment on fait pour se battre en fait. Hein, sale bâtard. Putain. Allez! J'ai marqué, voilà! Et là, ils se mettent à danser. Et ça, c'est beau. Regardez-moi ce public. Écoutez ce son. Je vais vous mettre le son à fond du public. Écoutez ce son. Ça, c'est du vrai public. Ça, c'était des vrais jeux, putain. Prise en main directe, hein. Vous voyez, c'est la première fois que je joue depuis 40 ans presque. Et je marque. Bon, je me suis mis en junior en même temps. J'ai envie de vous montrer des fights en fait. Les fights étaient excellents, mais je sais plus comment on se fight dans le jeu. Elle passe. Et tire, putain. Voilà, 2-0. Ça, c'est beau. Ouais, Robert. Je te rembourse tes 10 euros, hein. J'ai baissé le son parce que là, on s'entend plus. Je vais te rembourser tes 10 euros parce que je n'ai plus de compte en banque, donc ça ne sert à rien. Ils marquent et après ils font un gangbang. Non, ils dansent de manière hétérosexuelle, hétérogène. Alors attention, il y a bataille. Il faudrait que je fasse une bataille, en fait. Je sais plus comment on se tape. On va se taper, attendez. Oh putain, il a mis poteau! Poteau! Il y a plus personne dans mes cages, oh! Il y a plus personne! Oh putain, mais je vais y arriver ou pas? Ouf. Alors, on peut contrôler le gardien. Hein. Regardez, ça, c'est moi qui le bouge. Hein. Le gardien. Oula! Mais c'est l'équipe des poteaux, l'équipe d'en face. Hein. Passe. Il m'a poussé, c'est ça le bâtard. Hein. Je veux faire une bataille. Putain, comment on fait pour une bataille? Je veux une bataille. Est-ce que je peux faire une bataille? Oh, ce but, les gars! Tir croisé, hein. Je suis en train de les baiser, mais je ne sais plus me battre. Malheureusement, je ne sais plus le faire. Faudrait la notice. Je l'ai en plus, ce jeu. J'aurais pu sortir la notice, mais elle n'est pas à côté de moi. C'est chiant d'aller chercher. Et comment on fait pour se battre? Parce qu'on a vraiment un système de combat, hein. C'est-à-dire qu'on voit les personnages comme dans un Street Fighter et on se bat. Faudrait que j'arrive à me battre, quoi. Putain, comment je me bats? Mais non, j'ai failli me prendre un but. Ah, c'est moi qui contrôle le gardien. Ah, putain, il m'a marqué, ce bâtard. Putain, le salopard, moi. Avec ce public. Encore un followé, merci à toi. J'ai pas les annotations, je les ai pas mises. Un followé. Faudrait que je me batte, bordel de chiasse. Faudrait que je me batte! Je veux me battre, comment on fait? Non, pause, ça c'était pour mettre pause. Oh là, je vais. Un! J'arrive pas à marquer à 2 cm des cages. Putain, il m'a poussé encore ce sale bâtard! Comment on fait pour se battre? Mon but c'est d'arriver à me bastonner en fait. Putain, tapez-le, bordel de ch... Putain, j'arrive pas à me battre, bordel. Mais prends le palais, alors le gardien ne peut pas aller prendre le palais, vous voyez, devant lui. Parce que je suis coincé dans la zone des 16 mètres, en fait. C'est complètement stupide. Où est-ce qu'il va, là? Il veut se marquer dans ses cages ou quoi? Putain, j'arrive pas à me battre. Putain, ça me saoule. Tiens, voilà, je tire de loin. Bon, j'arrive pas, tant pis, les mecs. Voilà, c'était un excellent jeu. C'est nul, mais regardez des vidéos sur internet si vous voulez voir des bastons. Voilà, Blade of Steel, très bon jeu de hockey que je vous conseille fortement. Bloody Warrior, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est un cocktail en fait, Bloody Warrior. Pardon. Blues Brothers, ça fait partie de Titus. Société de merde, Titus qui a fait que des jeux de merde elle aussi. Alors ça, tu te dis putain, Megaman, non. Metroid, voilà, pardon, je trouvais pas mon mot. Putain, Metroid, Metroid avec une balle et tout, trop bien. Mais non, en fait, c'est Bomberman. Regardez la jaquette. Les jaquettes américaines, c'est complètement Metroid. Ça n'a rien à voir avec Bomberman. Et pourtant, c'est Bomberman. Alors, faut savoir que Bomberman 2 sur NES, il coûte dans les 500 euros. Donc, si tu veux jouer à ce jeu-là, Bomberman 2, c'est 500 balles. C'est, en version américaine ou en version, je crois que la version américaine est plus chère que la version Jap. 500 balles. Tu veux t'acheter Bomberman sur NES, ce jeu, hein, je vais le lancer, ce truc coûte 500 euros. Voilà, ça, là, ce que vous voyez là.
Demandez pas pourquoi, hein, c'est le monde merveilleux des cotes et des trucs. Je crois qu'il est sorti tard, hein, voilà, en 92 sur NES, c'était très tard. Hein. Et donc, on n'a eu pas beaucoup de trucs, pas beaucoup de versions, voilà, en mode normal. Hein. 500 euros, voilà. Oh, Bomberman est en prison. Parce qu'il a vendu son jeu 500 euros. Ouais, c'est Bomberman, hein. Voilà, c'est Bomberman. Il y a un mode solo. Donc, le but, c'est de tuer tout le monde, tous les petits trucs, là. Musique sympa, hein. Alors, on sent que là, la NES est exploitée à fond, hein. On sent la touche 16 bits, hein. On arrivait avec des graphismes un peu plus détaillés. De la musique un peu plus travaillée. Ah, il est kéblo. Et voilà, maintenant il faut trouver la sortie. Mais tout le gameplay était là, hein. Il y avait déjà tout, hein. Énorme la musique. Bah, c'était un jeu de fin de vie de la NES, donc forcément plus de musique, plus de délire, quoi. Bref, on va passer, hein. C'est Bomberman, voilà, 500 boules le jeu. Si un jour vous le trouvez, si un jour vous l'avez, vous le savez pas peut-être. Bomberman 2 sur NES, c'est 500 euros in the pocket. On va passer, hein, on va pas regarder tout, hein. Boulder Dash connu évidemment. Regardez-moi là, j'ai la quête de Boulder Dash, version européenne. Rien à voir avec le jeu. Tu joues au jeu, ça n'a rien à voir. Et je vous ai dit, hein, les jaquettes à l'époque, ils mettaient le paquet, ils mettaient des artworks de malade. Enfin bref, Dracula, on va passer. Hop, petit jeu de cul sur NES. Pas du tout officiel of Nintendo, vous voyez qu'il n'y a pas le macaron officiel of Nintendo. Bubble Bat Babes. C'est pas Bubble Bubble, hein. Ça n'a rien à voir, c'est Bubble Bat Babes. Je vais le lancer, c'est marrant. Un petit jeu de cul sur NES, ça fait pas de mal. Enfin, c'est un jeu de cul vite fait, hein. C'est un jeu érotique, on va dire. Regardez-moi ça. Oh, oh là là, une femme nue en 8 bits. Et donc, ouais, c'est une sorte de Tetris-like. Où il faut aligner les couleurs de bulles. Et c'est un jeu qui est sorti, hein. Il n'est pas officiel Nintendo, mais ça veut pas dire qu'il n'est pas sorti. C'est-à-dire que c'est un vrai jeu dans le commerce, tu pouvais te le payer. Merde, là j'ai fait n'importe quoi. Ouais, j'ai pas aligné correctement les bulles. Je suis trop concentré sur cette magnifique artwork de Finu. En 8 bits. En 8 bits, c'est le cas de le dire, j'ai envie de te dire. Ah, il me faut une bulle bleue. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait de la merde. Ah, ça a quand même... Oh, petit enchaînement, quand même, respecté. Alors, putain, l'alignement des bulles, c'est n'importe quoi. Je sens que je vais faire de la merde. Alors, c'est marrant, on était 9, j'ai mis une fille à poil, c'est passé à 7, hein. Respecté. Ah, merde, il y a une bulle en 3 moins, fait chier. Hop, voilà, il me faut une bulle jaune. Oh oui, patron. Bon, c'est pas grave, parce que c'était pas le bon format de bulle. Non! Ah, game over. Alors, game over, cherche pas à comprendre ça. Game over. Donc voilà, un petit jeu bien sympathique. Voilà. Ça casse pas trois pattes à un canard, comme dirait l'autre. Mais la jaquette était stylée. Par contre, ouais, je pense que ce jeu-là n'était pas dans le rayon pour enfants. J'imagine qu'il fallait l'acheter dans les vidéoclubs. Qu'il y avait à l'époque, les vidéos futures et tout, ils louaient des jeux. Je m'en rappelle très bien, il y avait des cartouches SNES, etc. Et ça, c'était marrant. C'était la belle époque, quand les gens étaient pas cons, quand la vie était bien, quand les gens étaient sympas. Voilà. Après, on passe de Bubble Bat Babes à Bubble Bubble. Parce que oui, là, il y a le même jeu, mais pour enfants. Voilà, Bubble Bubble, un classique, évidemment, Bubble 2. Bubble 2. Bugs Bunny. C'était quoi ça? C'était Macross? Non, c'était Gundam, plutôt, non? Buray Fighter, non. C'est quoi? C'est un shmup, ça? La jaquette n'est pas la même. Vous voyez, la jaquette japonaise, on voit le robot style Gundam. Et là, la jaquette américaine, style rien à foutre. Je suis sûr que la jaquette américaine est plus représentative que le jeu japonais. C'est un shoot, ça. Attends, on va prendre le jeu américain, on va voir comment. Buray Fighter. Mais je le connais, ce jeu, je crois. Hein. Regardez-moi ça, cet effet. Waouh, la technologie. New Game. Albatros. Aisu. Eagles, Stage 1. Facile, je me dis. Ouais, c'était un chemin, voilà. Et on peut tirer vers le haut et vers le bas. Déjà, ça c'est pourri parce que quand tu vas vers le haut, quand tu inclines vers le haut ou vers le bas, il tire dans le sens où tu t'inclines et voilà, c'est trop tard. Ça, c'est la fausse bonne idée, tu vois.
Ça, c'est la fausse bonne idée. Ils se sont dit, on a un robot. Donc, quand on va vers le haut, il tire vers le haut. Quand on va vers le bas, il tire vers le bas. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'il tire vers la droite. Et c'est tout. Donc, il faut l'incliner vers la droite systématiquement. Donc, à chaque fois, il faut corriger son angle de tir. Ce qui est très, très pénible quand on est dans un shmup. Voilà, par exemple, là, j'étais coincé vers le haut. Je voulais incliner vers la droite, mais trop tard, on était proche de l'ennemi. Allez, dernière tentative. Mais ça, c'est pourri, vous voyez. Là, je suis obligé d'incliner le tir. La fausse bonne idée, encore une fois. Hein. Donc, faut anticiper. Eh ben non, non, c'est impossible à jouer. Moi, ça, j'y arrive pas. Les jeux comme ça, on a un shoot multidirectionnel alors qu'il y a un scrolling qui défile. C'est pourri parce que tu es obligé à chaque fois d'incliner le tir vers l'avant. Laisse tomber, quoi. Fausse bonne idée. Cabal, connu. Hein, c'est connu, Cabal. Ça, si vous l'avez pas connu, hein. Ça, c'était fait par. Mattel. Non, c'est pas Mattel. MB. Putain, j'arrive pas. Ouais, c'est MB, quoi. La société MB de jouets. C'est un peu les concurrents des Transformers et compagnie, là, je sais pas quoi. Bonne soirée et bon stream. D'accord. D'accord. Ok, bah écoute, bonne soirée à toi et je te rendrai tes 10 euros. Alors, California Games, c'est connu. Marvel, hein, Captain America and the Avengers. Oh, bah, ça, c'est. C'était pas à la mode à l'époque, les Avengers et les Captain America. Enfin, c'était pas comme maintenant, j'ai envie de dire. À l'époque, les comics Marvel, c'était pas non plus de la folie, hein. Enfin, il y avait de la hype pour les comics aux États-Unis, mais en Occident, enfin en Europe plutôt, c'était pas non plus la folie. Alors que maintenant, avec tous les films Marvel et compagnie, t'as un jeu Marvel toutes les deux semaines, quoi, presque. Et donc là, on a Captain America and the Avengers. Voilà, donc des trucs, des machins. Ah, Captain Planet, le héros mythique. Captain Planet, hein, stylé en France. C'était l'autre là qui faisait la voix de Captain Planet, là, Laurent Giraud ou je sais plus quoi, là, pas Laurent, Robert Giraud, je sais plus son nom, c'était quoi, son prénom, c'était quoi. Mais il était stylé Captain Planet. On va pas mettre le jeu c'est une merde. Captain Tsubasa, hein, Olivier Tom. Le jeu est très moyen, c'est un RPG qui est sorti sur SNES aussi, etc. Mais bon, bref, depuis tout à l'heure, je vous dis bref, bon, Castlevania aussi, voilà, Castlevania version Europe et américaine, c'est la même jaquette. Simon Quest, Captain Tapette, c'est ça. Simon Quest, Castlevania 2. Voilà. Et ça, c'est Castlevania 3. Dracula Curse, qui est excellent, avec l'introduction de Alucard dans cet épisode-là. Roland Giraud, ouais, c'est ça. Attends, tape à ma porte ou c'est les voisins qui tapent avec le marteau? Non, c'est les voisins qui tapent avec le marteau. Je croyais qu'on me tapait à la porte. Et donc, ouais, Samurai Pizza 4, je crois que c'est ça. Bref, je vais vous montrer The Little Samson. Voilà, les Shitamen aussi, hein, le jeu pourri par excellence. On va accélérer. Hein. Dès qu'on trouve une jaquette intéressante, je m'arrêterai dessus. Mais ouais, je vais vous montrer The Little Samson. Il est où Little Samson? Oh putain, ça c'est Théo ou la Batte de la Victoire. C'est un manga sur le baseball, mais très marrant qu'il y ait un jeu vidéo sur NES. Cliffhanger, hein, spécial dédicace à Stallone. Regardez-moi ça, ce bel homme. Gros film Cliffhanger, hein, si vous l'avez pas vu. Belle merde. Hein. Mais il était excellent, moi j'aimais bien tous les films de Stallone de l'époque. The Little Samson. Ah oui, il faut que je m'arrête sur Contra, 2 minutes. Contra, alors je sais pas si vous. Forcément, vous connaissez Contra, si vous êtes là. Contra, le jeu excellentissime par excellence. Ça va rien dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Ouais, regardez la jaquette américaine, hein, européenne aussi, hein, la jaquette avec Alien en fond. À gauche, Schwarzy, à droite, Stallone. C'était ça, hein, c'était carrément ça. Par contre, en jaquette japonaise, vous voyez, c'est pas forcément, on reconnaît pas trop Schwarzy et Stallone. C'est pour ça qu'on a pu retrouver Contra avec cette version-là, américaine, avec ces jaquettes-là. Parce que ça faisait trop plagiat, quoi. Ils avaient peur de se prendre un procès. Par contre, la version japonaise était bien mieux que la version américaine et européenne parce qu'elle avait une plus supplémentaire dans la cartouche qui permettait d'avoir des cinématiques et des décors qui bougeaient dans le fond. On va faire un petit comparatif. J'ai beaucoup joué à Contra ces derniers temps. J'arrive à le finir avec le code Konami, c'est déjà pas mal. Alors, vous voyez, ça, c'est le début de la version européenne. On arrive direct à l'écran titre, j'appuie Start. Là, on a l'écran des scores. Et tout de suite, on arrive dans le gameplay. Avec Contra. Ça, c'est la version américaine et européenne. Vous voyez, ça commence comme ça. On va tracer un. Voilà, on va prendre celui-là, le R, pour avoir un tir rate meilleur. J'aurais dû prendre le tir en bas, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Et regardez dans le fond. Alors, pas maintenant. Attendez, hop. Hop. Et j'ai réussi à pas tomber, ça, c'est beau. Hop.
Hop. Eh, ça va, j'arrive à pas tomber. Hein. À l'époque, je tombais tout le temps. Ça faisait chier. Voilà, c'est ici que je vais vous montrer. Alors ça, c'est le super tir. Hein. C'est le meilleur tir. Hein. Le spray shot. Et regardez, les arbres dans le fond ne bougent pas. Hein. Faites attention aux arbres dans le fond, là. Vous voyez, ils sont fixes. Ça, c'est la version qu'on a eue en Europe et aux États-Unis. Vous voyez, les arbres ne bougent pas. Vous voyez, ça, c'est vraiment la version qu'on a eue, que beaucoup de gens connaissent, etc. Et je vais de mourir comme un caca. C'est pas grave, c'était pas ça que je voulais vous montrer. Vous avez bien vu, les arbres dans le fond ne bougent pas. Ça reste fixe. Là, je vais vous montrer la version japonaise. Et vous allez voir la différence qu'il y avait eu. Déjà, regardez. L'écran titre, bon, c'est écrit en japonais. Il y a des flammes qui bougent. Parce qu'il y avait une puce supplémentaire dans la cartouche. Et là, je touche pas au bouton start. Cinématique. Alors, c'est en japonais. Malheureusement, c'est pas écrit en américain, en anglais plutôt. Ou encore moins en français, j'ai envie de dire. Mais il y avait une cinématique avec l'explication de l'histoire, parce qu'il y avait une histoire dans le contrat. Alors voilà, là c'est le game over, mais je vais passer, voilà. Hop, là la cinématique. Fallait appuyer sur start, j'ai oublié. Voilà, regardez-moi ça. J'avais, vous voyez, une météorite s'écrase sur la Terre. Il n'y avait pas ça en Europe, en Amérique, on savait pas. En 2631. Blablabla, en japonais, je ne comprends pas des caractères. Ça c'était stylé, et cette musique là je l'avais repris, si vous avez vu mes vidéos sur le vide-grenier que j'avais fait, le seul vide-grenier que j'avais fait, j'avais repris les musiques de la version japonaise de Contra, avec ce thème, et toujours les nazis, hein, un aigle doré, les nazis extraterrestres de l'an 2000 ont attaqué la Terre, on a envoyé Stallone et Schwarzy péter la gueule à tout le monde, et ça c'est beau. Et ça on l'avait pas chez nous, c'est ça la classe qu'avaient les japonais qu'on n'avait pas. Une puce spéciale dans la cartouche. Allez, on a les... Et là, il ressemble beaucoup à Schwarzy, à Stallone, celui de droite. Un peu moins celui de gauche, même s'il lui ressemble à Schwarzy. Mais celui de droite, il ressemble beaucoup à Stallone. Donc là, on voit les deux agents qui vont être envoyés au combat. Et là, on a la map, vous voyez, avant de commencer. Donc on voit tous les niveaux, le pays de neige, etc. Le niveau de neige, dans les mines, etc. Et là, on commence... Vous voyez tout ce qu'on n'avait pas sur la cartouche européenne. Et là, le jeu commence. Vous voyez tout ce qu'on n'avait pas dans la version européenne et américaine. C'est dingue. Hein. Et là, je vais essayer de pas mourir et vous montrer... comment dire, les arbres qui bougent parce qu'il y avait plein d'animations qu'on n'avait pas. Et je suis tombé comme une salope. Je vais rater les trucs, mais c'est pas grave, le but c'était de vous montrer. Regardez les arbres! C'est pas la classe, ça? Alors, le tir F, le tir le plus pourri de l'histoire, hein. Je vais même pas le prendre. Regardez les arbres dans le fond. C'était pas la classe, ça? La version japonaise, hein. Qui vaut 1000 fois la version américaine et française, européenne, quoi. Enfin, européenne, occidentale, plutôt. C'est pas la classe? Tac. Ouais, essayer d'aller jusqu'au boss, mais j'ai raté tout plein de trucs. Là, on a le tir laser, qui est sympa, mais bon, il me fallait le tir S que j'ai raté comme un sac à merde. Voilà, comme ça. Parce que le tir S, vous voyez, quand je bourre la touche, en fait, le laser ne parcourt pas tout l'écran. On dirait qu'il sort sa bite, en fait. Ouais, il faut lâcher la touche pour que le laser parte. Donc si vous jouez, par exemple, avec l'autofire, voilà ce que ça fait, regardez. Ça n'a aucun sens, donc faut vraiment jouer avec les touches normaux, quoi. Alors le boss est easy, mais avec ce tir, eh ben voilà. Bon allez, c'est de la merde. J'ai atterri comme un sac. Game over, bon c'est pourri. Franchement, je l'ai fini il y a pas longtemps avec le code Konami. J'ai dû utiliser 10 vies. Bon, dommage. Bref, Contra japonais version, best version ever. Si vous voulez émuler et jouer à Contra, prenez la version Jap. Je crois qu'elle est plus facile en plus, si je dis pas de conneries. Peut-être. Puis voilà. Et aussi ce Contra Force. Alors je sais pas si vous étiez au courant. Mais il y a un contrat qui a été fait pour le marché américain qui s'appelle Contra Force. Alors lui, il vaut son pesant de cacahuètes. Il est pas si dégueu que ça, mais franchement, on est loin d'un contrat de base. Je crois qu'il voulait vraiment que tu meurs. C'est ça, ouais. Ils m'ont fait pop sur au-dessus du vide. Démerde-toi. Et donc ouais, Contra Force, version américaine, enfin pas version américaine, c'est un contrat fait pour les ricains, je pense, parce qu'il n'y a pas de version japonaise. Et vraiment, bon allez, je vous le montre vite fait, on va jamais arriver à Little Samson, et regardez, c'est vraiment un jeu américanisé, parce que là, c'est pas Stallone ou quoi, c'est les gangs, et regardez les protagonistes,
qui c'est. Alors il y a Burns, me casse pas les Burns, Smith, l'agent Smith, Iron avec son gros pif, et Beans. Et donc ouais, le but c'est de tuer les gangs mafieux. Oui, mais il est bon le jeu, hein. Mais alors ça n'a rien à voir avec Contra, hein. Honnêtement. Ah oui, alors ça je me rappelle, il y avait des gros problèmes de lag avec ce jeu. Attendez, je vais jamais réussir à passer parce qu'il me repop. Voilà, on pouvait péter les trucs. Alors des fois il faut pas péter toutes les caisses. Regardez comme ça rame, et ça émule parfaitement le lag, hein, de la console. Faites, hein, attention. Regardez comme ça lag. Ouah. Ce qui est marrant, c'est quand ils sautent, ils font comme dans le Contrat normal. Ils font une roulade moldave. Regardez comme ça lag, c'est un truc de ouf. Ah là, ça lag plus. Oh putain, non. Attention à pas se prendre les pics, parce que là, tu te prends... Il faut sauter. Il faut réussir à lui sauter dessus. Voilà. Parce que si tu te prends les pics du camion, là, tu meurs. Putain, ça lag même quand il n'y a rien à l'écran. C'est horrible. Voilà. Des fois, il faut pas péter les caisses, hein. Ah, ça c'est comme dans le dernier niveau de Contrat avec des trucs comme ça qui vous one shot, hein. Eh merde, j'ai sauté dessus, quel con. Quel sac à merde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je... J'ai raté un truc. Il faut péter les caisses peut-être, quel connard. Eh, ok, d'accord. Qu'est-ce que je suis mauvais. Game over, ok. Bon bah c'était Contrat Force. Mais il était cool Contrat Force. Mais il laguait trop, quoi. Il avait beaucoup trop de lag. Allez, Little Samson, là, je vais y aller, parce que c'est un bon jeu, je vais vous le montrer, parce qu'il est assez rare, mine de rien. Il coûte lui aussi 500 boules, la cartouche. Ah, DuckTales, enfin, pas DuckTales, l'autre, là, le machin. Tiens, on va passer vite fait, hop. Donkey Kong, machin, bidule, Dragon Ball, on a vu vite fait, voilà, DuckTales. The Little Samson, c'est elle, hein. Tiens, on va passer vite fait. A, B, C, D, E, F, tiens, on va même sauter comme ça. Ice Hockey, grand classique. Alors, putain, voilà, Little Samson, il est où? Voilà, Little Samson, version américaine ou européenne. Excellent jeu. Mais vraiment, ce jeu, je suis tombé amoureux de ce jeu. Alors, évidemment, pour le commun des mortels, ce jeu, c'est impossible de l'avoir, hein. Il faut lâcher 500 euros pour une cartouche. Faut un peu se calmer, j'ai envie de dire. Mais en émulation ou démerdez-vous comment vous pouvez l'avoir. Il est excellent. Vraiment, ce jeu, il est sorti en fin de vie de la NES. C'est pour ça qu'il est pas si connu que ça. Et c'est par les mecs qui ont fait Megaman. Certains des gars qui ont fait les premiers Megaman ont travaillé sur Little Samson. Qu'on va prendre la version européenne. On va lancer. C'est du pur bonheur. Alors, Elite devrait te plaire ce jeu parce qu'il va te rappeler un jeu que tu aimes beaucoup sur Master System. Parce qu'il y a un système de, un personnage qui peut être différent au niveau de son physique. Et ce qui est sympa avec Little Samson, c'est qu'on n'a pas de scénario écrit ou quoi. Le scénario se passe visuellement. Donc là, le roi envoie des soldats. Et là, le méchant sorcier. Regardez, l'animation était stylée. Graphiquement, il tue la race. Hein. C'est l'un des plus beaux jeux de la NES. Il n'y a pas à chier. Regardez-moi ses effets et tout. Ça fait clairement 16 bits plutôt. Alors qu'on est sur 8 bits sur NES. Et les musiques sont excellentes comme dans tous les Megaman. On appuie sur Start. On va se mettre en easy parce qu'on est des fiottes. Et voilà. Regardez-moi cet effet un peu style 3D, il tourne sur lui-même. Alors ça, c'est Samson. On a le petit dragon, ils ont pas de nom. Enfin, je sais pas s'ils ont des noms, quoi. On a le dragon. On a le golem de pierre et on a la souris. Donc ça, Ellie, si tu vas reconnaître forcément ce jeu, hein, ça va t'inspirer un jeu que tu connais. Voilà, on contrôle 4 personnages dans le jeu. Donc là, on va commencer par Samson, le premier niveau. Et donc ça c'est un peu les niveaux tutoriels en fait, parce que par la suite il y a une aventure qui continue, on pourra les 4 en même temps. Et donc ça c'est Samson. Quand je vous dis que c'est les mecs qui ont fait Megaman, vous allez vite reconnaître le tir. Donc voilà, Samson balance des petites clochettes, Wonder Boy 3, ouais, ça ressemble beaucoup à Wonder Boy, dans le principe. Mais le gameplay c'est plutôt Megaman. Donc voilà, Samson balance des petites clochettes, je sais pas si vous le voyez, un peu comme les tirs de Megaman. Donc ça c'est stylé, quand il saute il fait un petit tour sur lui-même, ça c'est stylé. Donc là le premier niveau il est assez simple, même si je vais mourir comme un caca humain. Alors là, faut que je fasse attention. Voilà. Voilà. Et la particularité de Samson, c'est qu'il peut s'accrocher sur les parois. Et ça, c'est stylé parce que vraiment, ça se manie, mais archi bien. On pourrait se dire, ouais, c'est sur NES, c'est compliqué et tout. Mais non, mais pas du tout. Mais pas du tout, les gars. Que nenni, mes bons amis. Franchement, ça se manie hyper bien. Et vraiment,
Le jeu, c'est une tuerie. Graphiquement et tout, il est long. Pour un jeunesse, il est beau. La maniabilité est bonne. Il y a plein de petites idées sympas. Mais le jeu coûte 600 balles, quoi. 500, 600 balles. Zelda Breath of the Wild avant l'heure. Dans quel sens tu dis ça, en fait? Pourquoi? Allez, petit dragon, faut que je fasse attention. Voilà. Hop, je prends de la vie. Attention à pas crever. J'adore quand il saute, il fait un tour sur lui-même. Alors ça, c'est pour une extension de vie. Voilà. Hop, regardez ma barre de vie en haut à droite qui a augmenté. En bas à gauche. En haut à droite. Ah, en haut à gauche, je vais y arriver. Je dis n'importe quoi. Il a augmenté. Voilà, je fonce comme un bourrin. Hop. Allez, bute-le, sac à merde. Voilà, il faut le toucher quand il est petit. Ah oui, tu veux dire quand il s'accroche aux parois, comme Zelda? Ah oui, d'accord, ça y est, je viens de comprendre maintenant avant que tu l'écris. Il me reste un point de vie, je vais mourir alors que c'est le premier niveau le plus simple qui soit. Parce que là, vous allez voir que c'est des niveaux d'entraînement, en fait. Il faudrait pas que je crève. Hein. Ah, de la life, merci patron. Attention au pic, on est dans un Mega Man-like. Hop. Alors là, le but c'était. Hop, on s'accroche, on va récupérer la vie en haut. On le tue. Hop, on s'accroche. On saute. On a bientôt fini le premier niveau. C'est des niveaux tuto, hein. Vous allez voir qu'après il y a une warm map et tout. Et là, on tue des petits dragons. Et vous allez voir que c'est important pour le scénario. Et voilà, Samson, le premier à être arrivé au château du roi. Ouais. C'est le premier. Parce que le roi a décidé d'envoyer une armée. Donc là, on a fini le premier niveau. On a accès aux trois autres acolytes. On pouvait choisir dans l'ordre qu'on voulait. Hein. Alors, on va laisser le petit dragon à la fin parce que son gameplay est excellent. On va prendre la souris, tiens. Pour rappeler... Ça va rappeler un peu Wonder Boy 3. Alors, la souris, elle peut s'accrocher aux parois. Par contre, c'est celle qui a le moins de vie. Regardez, elle a 2 points de vie en haut à gauche. Mais elle a une technique qui permet d'envoyer des bombes, voilà, des mines qui explosent. Donc là, faire attention. Ah oui, ceux-là sont chiants. Vous voyez, elle peut s'accrocher à tous les parois comme Samson. Mais comme elle est petite, elle peut se faufiler un peu mieux que Samson, quoi. Attention. Hop, on va se barrer. Hop, le niveau se passe plus haut. Vous voyez, c'est ingénieux comme système. Ça rappelle Wonder Boy, hein. Alors, je sais pas qui des deux jeux est sorti en premier entre Wonder Boy et ce jeu. Non, c'est trop loin, ça. Hop. Non. Attendez. Non, trop loin. J'ai peur de me faire toucher. Voilà, j'ai réussi. Non, tombe pas. Voilà, non. Putain, quel sac. Voilà, c'est bon. Hop. Il me faut de la vie, là. Je sais qu'il y a des ennemis pas beaux là-bas. Voilà, de la vie. Wonder Boy 3, il est de 89. Ouais, celui-là est sorti après, alors. Après Wonder Boy 3. Mais ouais, c'est un peu inspiré, hein, je pense. Hein. En même temps, on s'en fout, le jeu est très bon. On va passer par là. Attention à pas se faire toucher. Oh, putain, j'ai failli me faire toucher. Oh, la petite malicieuse souris qui est passée. Là, il y a une potion qui permet d'augmenter sa barre de vie. Voilà, je l'ai pris et je suis mort comme un caca humain. Voilà, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Alors, c'est comme dans Megaman, hein. Vu que c'est les mecs qui ont fait Megaman. Certains d'entre eux, d'ailleurs. Hop là. Dès que tu te prends une pique, c'est fini, c'est game over. Putain de merde, je suis mort comme un sac. Hop. Ouais, l'extension de vie. Non. Faut bien se positionner. Voilà. Pour éviter de se faire toucher. Non, tombe pas. Non, putain. Pour s'accrocher, il faut incliner vers le côté du mur la direction et appuyer sur le bouton saut. Voilà, et après il s'accroche tout seul, hein. T'as plus besoin de rester appuyé sur le bouton. Putain, il est excellent ce jeu, je l'adore ce jeu. La vie. Là, on va essayer de tracer comme tout à l'heure. Allez, trace, trace, petite trace. Petite souris, vogue. Voilà, tac. Alors, la potion de soin, on va la récupérer, on va essayer de pas faire caca. Hop, voilà, tranquille, tranquille. Merci. Comment je suis mort alors? Comment c'est possible? Voilà, et là, je me casse. Voilà, premier niveau terminé. Alors, vous dites, putain, les niveaux sont nuls, il n'y a pas de boss, ça va trop vite. Mais je vous disais, ça, c'est que du didacticiel. C'est assez rare à l'époque, il n'y avait pas de didacticiel. Donc là, on a fait
Il ne reste plus que les deux niveaux, le golem et le dragon. Le dragon, on va le laisser pour la fin parce qu'il est fun. Et le golem aussi est fun. Alors, le golem a un gameplay totalement différent des autres. Il est beaucoup plus lourd, donc il saute très très difficilement. C'est assez, il est assez pâteau. Par contre, il peut attaquer de manière multidirectionnelle. Vers le haut, vers le bas, vers la gauche et vers la droite. Mais il est assez lent. Alors, il faut que je fasse gaffe. Hop là. Je peux pas me baisser aussi. Voilà. Et il one-shot tout le monde, c'est plus puissant. Ce qui est cool, c'est que chacun a son propre gameplay. Et les niveaux sont super beaux, je trouve que c'est l'un des plus beaux jeux de la NES, hein, honnêtement. Il n'y a pas à chier. Ils ont la NES crash chez Boyau là avec ce jeu. Et c'est lui qui a le plus de vie aussi, hein, je vous l'avais pas dit, le golem. Regardez en haut à gauche, sa barre de vie est assez colossale. Alors là, il y a des pics avec des champignons, avec des pointes. C'est le seul qui peut aller dessus, parce que par la suite on va avoir des endroits avec des pics comme ça. Mais il vaut mieux prendre le golem, parce que par la suite on pourra enchaîner entre les 4 personnages. Donc là c'est le seul, il vous montre que c'est le seul qui peut aller sur les pics. Même si on n'a pas accès aux autres héros pour le moment. Allez. Non! Putain, pourquoi j'ai voulu l'attaquer, bâtard? Fais chier. Oh putain. Voilà, de la vie s'il vous plaît, parce que j'ai perdu pas mal de vie. Voilà, merci, je l'ai dit. Ils l'ont fait. Hein? Et hop, je passe tranquille. Voilà. On a passé avec le golem. Et maintenant, on va prendre le dragon. Le dragon, il est stylé. Le dragon, c'est le seul qui peut voler. Et la musique, elle est trop stylée. Allez, hop, on reste appuyé, il vole. Il a un tir qui permet d'envoyer plusieurs flamèches comme ça. Trois à la fois. Et quand on reste appuyé, comme dans Mega Man... Il devient tout rouge et il crache une méga gerbe de flammes. Ça c'est stylé, donc on peut rester appuyé. Avant Mega Man X, on avait le tir chargé. Hop, comme ça. Alors là, les temps là, ça nous permet de nous projeter, mais comme on vole avec le dragon, on peut y aller en volant. Je vais y aller tranquillement et doucement. Et la musique est excellente, je trouve. Vraiment une tuerie ce jeu. Dommage qu'il coûte aussi cher, sinon j'aurais pris la cartouche. Mais vous pouvez l'avoir en fake cartouche, hein. Les fake cartouches qui existent, hein, c'est-à-dire que ce sont des cartouches refaites avec des EPROM, c'est-à-dire les puces pour mémoriser le jeu qui sont pas d'origine. Hein. C'est des clones. Mais après, vous avez la sensation d'avoir le vrai jeu, quoi, la vraie cartouche avec le vrai artworks. Et tout le bordel. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je me fais aspirer par une tornade. Et parce que le niveau n'était pas fini, eh oui. Attention. Vous voyez, plein d'effets spéciaux et tout, le jeu est stylé. Non, me touche pas. Touche-moi pas, tu me salis. Vaut mieux rester avec le tir chargé avec le petit dragon. Hop, attention à pas se prendre la tornade. Oui, quand on reste trop longtemps chargé, il perd sa charge. Faut cracher ses gerbes aussi. Hein. Il peut pas voler à l'infini. Hein. On reste appuyé et puis après il tombe à un moment donné. Oh non, putain, je suis mort, quel connard. Mais quel connard, comment ça se fait que je suis aussi nul, putain? T'es jugeur, hein. D'habitude je joue mieux que ça quand je suis pas concentré en fait. Non. Hop. Voilà. Oh, de la vie en bas. Non, pas la tornade. Elle vous tue pas mais elle vous repousse. C'est pas fini. On va essayer de les éviter au maximum. Hop, concentrations. C'est vraiment pas compliqué, c'est niveau tuto et je meurs comme un sac. Hop. Voilà. De la vie, merci patron. On trace. Mais merde, putain. Chier. Et chier! Je suis un dragon comme vous, bordel, laissez-moi tranquille! Hop! Allez, on trace. Voilà, merci! Et donc voilà, on a fini l'émission avec les 4 petits bonhommes qu'on va contrôler. Et maintenant, on va aller rencontrer le roi. Mais vous allez voir que. Il va se passer une bisbille entre les 4 copains là. Parce qu'on va être téléporté dans le monde des cloches là. Vous voyez la petite cloche? On va rentrer dedans. Vous allez voir que le petit dragon et Little Samson, ils sont pas d'accord tous les deux. Ouais, le dragon il fait le voyou. Il dit non, moi je rentre pas!
Et là, t'as le combat de boss entre le petit dragon et Little Samson, alors que c'est des potes, hein. On va pouvoir le battre, j'espère. Ouais, comme dans Megaman, les combats, ils ont une barre de vie. Chacun, le boss. Déjà, je vais me faire toucher. Faut le bourrer. Ah non, le combat est pas dur. Et le dragon va être notre pote après. Comme dans tous les shonen. Putain, je me fais toucher. Alors, on connaît la particularité du dragon, en fait. Il faut s'éloigner parce que son tir, il est... Oh là, il fait un tir chargé, le bâtard. Oh putain, j'ai crevé. Il me reste un point de vie, les gars. Ah, le bâtard, il m'a tué. Je suis nul. Qu'est-ce que je suis nul. Allez, on recommence. Je suis trop mauvais. Allez. Et d'entrée, il fait le tir chargé, le bâtard. Eh merde, fallait que je saute au milieu. Allez, tombe. Je vais bourrer, il va crever ce sale bâtard. Putain, il est resté bloqué, regardez. Oh, j'ai un infini. C'est bon, je l'ai tué. Ce glitch. Il est resté bloqué. Voilà. Et le petit dragon est devenu notre pote. Il nous rejoint. Voilà. Parce qu'il a fait son Vegeta. Alors, le password, hein, voilà, il y avait des passwords. Pas de plus de sauvegarde. Et la warm-up, et là, le jeu commence vraiment. Vous voyez, donc c'est assez marrant, parce qu'il n'y avait pas trop de tutos à l'époque dans les jeux vidéo. Et maintenant, à tout moment, je peux changer entre les quatre personnages, comme dans Megaman pour les pouvoirs. Vous voyez, je peux devenir le dragon, le golem et les mouse pour la souris. Vous voyez, et en dessous des lettres, L pour Little Samson, D pour dragon, G pour golem et M pour mouse. On a une potion. Alors, si on avait récupéré des potions dans les niveaux précédents avec notre personnage, bah on a une potion en dessous de son personnage qui permet de le soigner. Voilà, tout simplement. Donc là, on va continuer avec Samson, parce que pour le premier niveau, Samson, c'est le meilleur. Yes, ça monte ma barre de vie, ça. Non ! Alors, on se barre avec ces crapauds qui crachent d'autres petits crapauds. Non, putain, c'est enfoiré. On trace. On réfléchit pas. Hop. Putain. On peut toujours s'agripper avec Little Samson. Hein. Et hop. Hop. Ouais, c'est plus simple de passer comme ça. Putain, il me reste un point de vie. Ah non, merde, là-bas, il y a un truc pour me soigner. Cool. Ah non, ça m'a augmenté ma barre de vie, regardez, mais ça va pas soigner, merde, c'est vrai que ça c'est pour augmenter sa barre de vie. Alors quand c'est comme ça, on change de personnage, et la musique change en fait. Ça c'est, je vous l'avais pas dit, mais chaque personnage a son propre thème. Avec le dragon c'est easy peasy. Il faut savoir que quand on meurt avec un personnage, on recommence, hein. C'est-à-dire qu'on perd pas le personnage, mais on recommence tout le niveau. Alors là je trace comme un sagouin, hein. Je vais pas récupérer les points de vie, etc. Alors que je devrais là récupérer, vous savez quoi, attendez. Non, pas... Elle va me toucher. Ouf. Putain, là, c'est en mode Shmupland. Voilà, tiens, on va prendre Little Samson. Samson. Hop. Comme ça, je lui donne un peu de vie. Voilà. Oh, une potion. Nickel. Ah, le bâtard. Il va forcer dessus. À tracer. Hop. Avec le dragon, c'est complètement fumé, ce niveau. Hop, et là vous vous dites, putain, je suis trop grand, je peux pas passer. Eh, que nenni, mes bons amis. On a quoi là? Hop, on va utiliser Little Samson pour se soigner. Non, attends. Pas utiliser la potion. Non, merde, c'est là. D'accord, on va prendre Little Samson pour récupérer la potion comme un con et se soigner comme ça. Je suis trop con. Énorme le jeu. Ah, il est excellent. Il est excellentissime. Donc là, on va essayer de passer comme ça et pas tomber comme un sac à merde. Ça fait penser à Wonder Boy quand on prend la souris. Hop. Là, on va reprendre le... On va prendre le golem. Non, quoique le golem, là, il est trop loin. Hop. Putain, ces petits cons, là, ils me foncent dessus, ces sales bâtards. Putain, mais va te faire. Va te faire en enfer. J'aurais dû passer tout droit comme ça de l'autre côté, mais quel connard. Et le boss. Regardez l'animation. Alors ça, il est assez complexe. Enfin, pas très dur, mais... Je vais prendre plutôt Samson. Putain. Il va se taper un peu partout.
J'adore son animation quand il apparaît. Foiré de sorcier. Il est assez facile là. Après, il a une autre forme dans d'autres niveaux qui sont beaucoup plus complexes. Non! Allez, non, je devrais le baiser. Tranquille. Je me suis mis en easy, hein! Rappelez-vous, hein, tout à l'heure. J'étais en easy, hein. Et voilà, là, cette forme-là, elle est relou. On va essayer d'y aller à la bourrinos. Hop, je suis dans la merde. Je suis dans la merde, les gars. Je te laisse, je vais me reposer un peu. Ok, bon, bon repos à toi. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Oh là là. Hop, on change. On va prendre le golem. Il va crever ce con. Non. Oh putain, il lui reste deux coups. Il lui reste deux coups, il me reste que la souris. Et la souris, son gameplay, il est schnapps. Si j'arrive à le battre avec la souris. Oh, j'ai réussi à le battre avec la souris. Hey, réussir à le battre avec la souris, c'est pas évident parce que son tir est assez nul. La souris, faut poser la bombe et partir. Respecter le darwinisme absolu. Ça, c'est beau. Parce que si je perds un personnage, on recommence tout, quoi. Ça, c'est beau. Alors, il y a plusieurs embranchements dans les niveaux. Il n'y en a pas qu'un seul. Parce que là, on a le tracé tout droit. Donc, dès qu'on finit un niveau, on récupère toute notre vie. Ça, c'est cool. Ouais, c'est-à-dire que par moment, on aura deux différents niveaux différents. Enfin, deux, ça veut rien dire ce que je dis. Deux embranchements différents dans un niveau. Donc, il faut refaire le jeu plusieurs fois pour avoir toutes les fins et tous les trucs. Oh, en haut, on a une petite vie, là. Hop. Alors, bah, tout simplement, avec le dragon, tu fais ça, tu viens là, et tu vas la récupérer. Non, attention, je vais tomber. Et j'étais à deux doigts de tomber. Heureusement que je suis resté en suspension, comme ça, là. Putain. J'étais à deux doigts de tomber, hein. Alors là, là, c'est le bordel. Hop, on va essayer d'y aller en volant. C'est pas la bonne solution. Ouah, la 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 la. Ah ouais, mais les piquants, j'ai même pas regardé. Oh putain, je suis nul. Le niveau est pas évident celui-là. Pas évident parce que j'aurais pu prendre l'embranchement du bas avec le volcan. Mais on a pris notre embranchement. Bon, c'est pas grave. On va changer de jeu. Voilà, c'était Little Samson. J'adore ce jeu. Voilà, Samson. Little Samson. Véronique Samson. Il est excellent. Alors la jaquette est pourrie. Regardez-moi ça. C'est limite, il ressemble à un troll. La jaquette américaine et européenne, c'est la même. C'est hideux. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Ça ressemble à rien. Et pourtant, le jeu est excellentissime. Voilà, c'est une tuerie. Moi, je vous le conseille. Si vous voulez faire un bon jeu sur NES, Little Samson. C'est une bombe. Bref, là, c'était la NES. Hein. On a fait que de la NES, mais j'ai aussi la SNES sur RetroArch. Hein. On va pas refaire comme ce que j'ai fait pour la NES. Mais j'ai tous les jeux sur SNES avec les jaquettes, etc. Tiens, la jaquette d'Aladin européenne, américaine, enfin, européenne, allemande, européenne, française, qui n'est pas la même. Vous voyez, là, on voit la différence. Hein. Les mecs ont fait le taf. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment mis les jaquettes différentes pour les régions. La jaquette française, on remarque que c'est la jaquette française parce que il n'y a pas écrit Dutch Language. Regardez la version pâle allemande. Vous voyez, c'est écrit Capcom en dessous. Je sais pas si vous arrivez à distinguer. Il y a écrit Dutch Strantex ou je sais pas quoi. Vous voyez, donc ça, c'est la version allemande et le logo Capcom est en bas. La version française, le logo Capcom est sur l'artworks. Vous voyez, il y a une petite différence. Et la jaquette japonaise qui est un petit peu plus, comment dirait que le palais, un peu plus austère. Vous voyez, et ça, c'est la version européenne, Dutch Language. Alors ça, je sais pas pourquoi il y a deux versions européennes comme ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est ainsi. Ça, c'est la version espagnole. Ça, c'est la version américaine avec le carton noir et tout.
Donc c'est stylé. Regardez-moi les jaquettes SNES, elles étaient stylées. Elles étaient stylées, il y avait toujours des artworks de malade par rapport à celles qu'on avait. Mais souvent le jeu était extrêmement pourrave. Regardez-moi Alien 3 en japonais et Alien 3 en européen. C'est juste. Il n'y a juste rien à voir, quoi. Acclaim. Ah tiens, mais Ellie m'avait dit que c'était Acclaim. Mais je crois que c'est devenu Acclaim après alors. Je pense pas que ce soit Acclaim. Je pense pas. Peut-être que le studio a changé, mais les mecs, c'est plus les mêmes, quoi. Alien versus Predator. Regardez-moi la jaquette japonaise d'Alien versus Predator. C'est les vrais, c'est tiré du film, carrément. C'est des photos du film. Des deux films, quoi. Alors que là, on a un vieux dessin. Bon, le dessin est sympa, mais voilà, quoi. Regardez-moi ça. The Amazing Spider-Man. C'est pas la classe. Alors que, oh, je l'ai même pas en France. Oh, non. Je l'ai même pas en américain, quoi. Voilà, quoi. Pareil pour la SNES, j'ai toutes les jaquettes et tout, c'est stylé. Wow. Voilà, l'émulation est stylée. Ah, regardez-moi ça. Alors ça, c'est typiquement. Attendez, on l'avait vite fait furtivement. Un jeu qui n'est sorti que au Japon. Évidemment avec Hitler. Cette jaquette. Elle même pas validée par Nintendo. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le macaron Nintendo Validity Quality Street là, Nintendo. Il n'y a pas, non. Hein. C'est un jeu de gestion sur la Seconde Guerre mondiale, hein. Ce n'est pas un jeu sur le nazisme. Pro-nazi. Non, c'est un jeu sur la Seconde Guerre mondiale, mais bon, ils ont pris comme emblème Adolf Hitler. Les mecs qui s'en battent les couilles. Elle a foutre, le gars. Je dis, tiens, on va faire une jaquette, on va mettre Adolf Hitler en tête de gondole. Ça va peut-être vendre des jeux chez les nazis. Enfin voilà, quoi, on passe vite fait, voilà, toutes les jaquettes. Des fois j'aime bien mater les jaquettes. Plus que de jouer au jeu en lui-même, des fois, tu vois. Parce qu'il y a des jeux qu'on n'a jamais eu leur jaquette, par exemple, j'ai plein de jeux où j'avais que le jeu en loose. Bah, maintenant, ça me permet de voir les jaquettes. Par exemple, voilà, Sailor Moon. Bishoujo Senshi Sailor Moon. Donc, c'est Sailor Moon en Super Nitendo. Sur Super Nintendo, le Beat'em All. On l'a eu en France, aussi, qui était sorti en version française. Faut savoir que la version Super Nintendo est moins bonne que la version Mega Drive. Moi, je trouve, personnellement. Les musiques sont meilleures sur la version Mega Drive que sur la version Super Nintendo. C'est un Beat'em All très moyen, mais bon. Assez stylé graphiquement. Vous voyez, hein, les jaquettes, il y en a eu plein des jeux Sailor Moon. Putain, voilà, regardez-moi ça. Et là, c'est Bisoujo plutôt. Donc les guerrières en fait en japonais, mais ça n'a rien à voir avec Sailor Moon. Je l'ai essayé, c'est un jeu de catch, mais de gestion. En fait, tu fais pas les coups avec ta manette, tu donnes des ordres à ta coéquipière et elle fait des trucs. Mais c'est pas terrible, franchement, c'est moyen. Blackwalk, qui était excellent ce jeu, un peu à la merde, comment il s'appelle ce jeu? Blackjack, je vais y arriver. Avec une animation de ouf, le jeu était excellent. Blazion, tout ça, enfin. Les jaquettes étaient stylées, quoi. Hop. On va passer vite fait au pif. Dès qu'on voit une jaquette jolie, je m'arrête, regardez-moi ça. Brandish. Je sais même pas ce que c'est, je crois que c'est un RPG, si je dis pas de conneries. Peut-être. Ah, la jaquette est peut-être. Enfin, c'est la même, tiens, c'est marrant. C'est la même, mais elle a été découpée et mal foutue sur la version américaine. Brandish 2, regardez-moi ça. Regardez-moi la beauté du truc, quoi. Regardez-moi ça, les Japonais, ce qu'ils avaient comme jaquette. Non, mais ça, tu peux rêver pour qu'on ait eu ça à l'époque en Occident, c'est impossible. Regardez-moi la classe. À mon avis, ça a été censuré parce que la fille, elle était à moitié à poil. Donc ils ont dit, ouais, non, famille de France, famille d'Europe, famille d'Occident, plutôt. Parce que même aux États-Unis, ils n'ont pas eu ça. Non, attendez, c'est sulfureux, on voit la fille à moitié nue. Mais non, mais c'est trop la classe, regardez-moi ça. C'est trop stylé, mais regardez-moi ça, ce qu'ils avaient déjà. Et en Europe, on avait ça, aux États-Unis. C'est de la merde. C'est pas le même jeu, mais bon, voilà. Breath of Fire, un jeu bien connu, évidemment. Et regardez la jaquette Jap, rien à voir. Rien à voir, les mecs, ils avaient des jaquettes de malade. Truc de fou, regardez-moi ça. Rien à voir. Bah, rien à voir, le truc, c'est une œuvre d'art, et à côté, t'as un vieux dessin américain pourri. Bubsy 2, Bubsy 3, enfin pas 3D, Bubsy normal plutôt. Alors, ensuite on a eu Bubsy 3D sur PlayStation, belle merde intersidérale. Et voilà. Captain Tsubasa, Captain Tarlouse, Captain Commando, hein, un jeu tiré de l'arcade de Capcom. Ouais, Captain Tsubasa, les Casper, les Castlevania, hein. Et Castlevania Dracula X aux États-Unis. En Europe, Vampire Kiss. Rien à voir le nom, mais c'est le même jeu. Et au Japon, bah, au Japon, ça s'appelle pas Castlevania, ça s'appelle Akumajo Dracula. Donc forcément, il n'est pas là. Quoi, le jeu de foot Champion World Class Soccer, il y en a tellement des jeux de foot pourris.
Je te truc. J'adore regarder les jaquettes, je sais pas pourquoi. Je kiffe ça. Je m'en fous de les posséder ou pas, mais juste de voir les jaquettes, comment elles étaient foutues de l'époque. C'était assez marrant, les dessins et tout. Wouah, Chouaniki. Bah alors ça, c'est Chouaniki, c'est connu, hein. C'est les bodybuilders à moitié à poil en string qui. C'est des shmups en réalité. Hein. Voilà, Chouaniki. Godzilla. Ça doit... Ouais, ça, c'est Super Godzilla, voilà. C'est écrit. Tac. Tac, tac, tac. Regardez-moi ça. Pas stylé l'artworks. Ça doit être un shmup. Attends, on va le lancer. Vieux shmup dégueulasse. Monter un peu le son. Petite intro émotive. Espace, frontière de l'infini. Xardion. Asmik. 1992. Startu. Déjà là, ça fait peur. Graphiquement. Moyenasse, hein. Et la musique, elle a un peu du. Un peu moyenasse. Donc là, ça doit être. C'est pas moi qui joue, hein. C'est le scénario. Ouah, les trois vaisseaux ont fusionné pour en donner qu'un. Ouah, Epilepsy Land. Ouah, ça clignote trop mes yeux. Ouah, c'est devenu un robot. Doit être tiré d'un manga, je suis sûr. C'est pas un shmup, c'est quoi? Ok, beaucoup de blabla. Petite musique midi, hein. Ça y est, on contrôle. Ok, on contrôle un robot. Je croyais qu'on allait contrôler un vaisseau, mais pas, mais que les nids, mes bons amis. Et comment on joue là? D'accord, ok. L et R, ça fait rien. Y, rien. Enfin, Y, ça tire. X, ça fait rien. Je saute avec B. Ok, et on peut pas devenir un vaisseau. Ok. On peut tirer en... Non, on tire que vers le haut, vers le... Gauche, droite, haut, bas, et pas de diagonale, en fait. D'accord. Et ça a l'air très, très pauvre, hein. Voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, les jaquettes ont beau, elles ont l'air très belles. C'est un jeu très moyen, ça, tu vois, déjà. Il est pas tout, en plus, le robot. Puis le... Voilà, je suis mort. Puis le tir, voilà, quoi, il fait... On le sent pas, quoi. Il y a un truc qui va pas. Il y a beaucoup d'artifices, mais pour pas grand-chose, malheureusement. Ah, ça part et tout. Bref. Jeu moyenasse. J'aime pas la maniabilité. Voilà. La jaquette est stylée, regardez-moi ça. Tu vois la jaquette, tu te dis, putain, tu vas jouer à un jeu de ouf. Et au final, bah... C'est un peu du caca. Chrono Trigger. Eh oui. Chrono Trigger version japonaise. La jaquette était comme ça. Alors, c'est tout petit, c'est juste un bandeau, mais comme les cartouches étaient... Les boîtes japonaises étaient beaucoup plus petites, c'est normal. Alors là, c'est une traduction, c'est une version émulée, enfin traduite, mais en pas de jaquette, c'est forcément le cas. Et la version américaine, pardon, européenne. Il n'y avait pas d'européen. Américaine, regardez la cartouche comme elle était. C'était stylé l'artworks européen quand même. Américain, putain. Parce que l'artworks, les deux ont été faits par Toriyama, mais je préfère celui qui est... Et dans la version américaine, là c'est juste les personnages avec écrit Chrono Trigger, et dans la version américaine, c'est un artworks complet. Par contre, la boîte elle est trop imposante, je trouve. On voit pas assez l'artworks. Chuck Rock, c'est inconnu, etc. Des jeux équestres, des machins, des bidules. Cliffhanger, encore. On l'a vu sur NES, il est sorti de partout dans ce jeu Cliffhanger. NES, SNES, Master System, Game Boy, etc. Ils l'ont sorti de partout. Clock Tower, eh oui, le survival horror de la SNES. Parce qu'il y avait des survival horror sur la SNES. Regardez-moi, la jaquette était stylée. C'était beau. Portico au Japon. Clue. Alors, soit c'est le Clue Edo, en fait. Tout simplement. Oh, regardez-moi ça. Rien à voir. C'est le même jeu en japonais et en américain. Regardez la jaquette. Alors, on a toujours les bases, hein. C'est-à-dire que la tenue bleue avec les cheveux blonds. Mais le dessin, putain, comment il fait tiap en américain. On dirait des nains, on dirait même pas des bonhommes. Alors que là, tu vois, on voit le mec musclé et tout, un peu Super Saiyan, un peu... Le dessin est pas ouf, hein, mais je le préfère à celui-là, quand même. On dirait Passepartout et ses potes, quoi. C'est violent. Ah, oh, c'est dessin. Contra 3, hein, The Alien War, chez nous, c'est Super Pro Protector, parce que les gens n'ont pas voulu faire... Enfin, les censures obligent, ils ont pas voulu nous...
nous choquer, soi-disant. Et ils ont fait en sorte que ça soit des robots et pas des humains qui combattent contre Aspirite, c'est le même. La classe, regardez-moi cette jaquette. Rien à dire. Je suis la classe. Alors, cartouche Super Famicom. Ça, c'est pas une jaquette, c'est une photo. C'est contrôleur test cassette. En fait, c'est pour tester les manettes, je crois. On va le lancer. Ouais, c'est pour tester les manettes, regardez. Hop, hop, pour tester si la manette fonctionnait bien ou pas. Alors, je sais pas si cette cartouche était en vente ou pas. Et hop, tous les boutons fonctionnent. Hein. Y, X, B, A, Start, Select, haut, bas, gauche, droite, L et R. Ouais, tiens, là, ça bip dans vos oreilles. Voilà, hop. Tu vois, ça fonctionne. Tout va bien, ma manette fonctionne. Super Famicom, manette K. Voilà, ça, c'est du gros jeu, ça. Et c'est que pour le Japon, hein, parce que vous voyez bien que c'est écrit Super Famicom et non Super Nintendo. Attention. J'ai vraiment toutes les ROM de la Super Nintendo, j'ai le full set. Hein. Ouais, Super Famicom, et vous voyez, c'est écrit en dessous Contrôleur Test Cassette en japonais. Voilà. Donc Cool Spot, c'est un classique, etc. etc. Ouais, Shin-chan qui était déjà sorti sur Super Nintendo, le jeu. En France, c'est sorti bien plus tard, le dessin animé, dans les années 2000. Ouais, c'est stylé. Hop, on a toutes les jaquettes. On va passer en accéléré. Hop, donc, regardez-moi ça. Alors, les DBZ, c'était stylé, mais même en France, on avait des belles jaquettes. DBZ, c'était comme les japonaises, en fait. Attendez, voilà, parce que Dragon Ball n'était pas sorti aux États-Unis à l'époque. Et, le Japon filait directement les artworks en France. On passait pas par les Américains qui faisaient n'importe quoi, qui nous refilaient les jaquettes dégueulasses. Donc là, on a Super Budokan 3, si je dis pas de conneries, avec la jaquette Boo, Sangoten et Trunks. C'était à l'époque où Boo était tout récent, venait de sortir. Là, on a Hyper Dimension en version française. Donc regardez, alors la boîte, c'est la version française, hein, c'est comme ça que je l'ai, moi. Sauf que en version japonaise, on a que l'artwork, si on n'a pas les bords jaunes et noirs et dégueulasses. Vous voyez, Hyper Dimension, vous voyez, là, c'est la version japonaise, mais c'est le même Artworks, vous voyez. Sauf que là, on a l'Artworks en entier. C'était bien plus classe en japonais, quand même, mine de rien. Vous voyez, on a le dessin en entier, et là, on a juste le haut découpé. C'est dommage qu'on ait pas des boîtes comme ça, quoi. Avec l'Artworks en entier et tout, stylé. Là, c'est écrit Super Nintendo en gros et tout. Pff, bon, c'est pas terrible, quoi. La légende Saiyan, avec une belle faute sur Saiyan, avec un I-E-N. Mais c'est le même Artworks. Ça, c'est le Super Budokan 1 qui était sorti. Vous voyez, hop, c'est le même Artworks, vous voyez, en japonais et en France, mais là on l'a en entier, là on l'a découpé, ce qui est complètement nul. Voilà, j'ai Super Budokan 2, là on a un Artworks en entier, et là on l'a découpé. Mais sinon c'est les mêmes Artworks, voilà, parce que ça, les jeux, le packaging passait de la version japonaise à la France directement, et il n'y avait pas le « je passe le jeu au Japon, puis aux États-Unis, puis en France ». Parce que quand c'est comme ça, généralement, on prend l'artworks des États-Unis, qui est moins bon généralement que les artworks japonais. Regardez-moi ce jeu, comment il est stylé, la boîte. La boîte, hein, le jeu est très 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 moyen, c'est un RPG dégueulasse. Regardez-moi les boîtes, Dragon Ball, regardez-moi ça, c'était vraiment des dessins de l'animé, quoi. C'est la classe. Ah, ce jeu, j'en ai tellement des migraines. Avec Vegeta qui vole dans l'espace dans ce jeu, on se demande pourquoi, c'est un RPG. L'ultime menace, voilà. Vous voyez l'artwork, c'était le même tout à l'heure, je l'avais montré. Voilà. C'était stylé. Dragon Quest, évidemment. Ma saga préférée des RPG tout con, tous les RPG confondus. Regardez-moi l'artwork. Alors ça, c'est la version Super Nintendo. Je vous ai pas montré les versions NES, parce que ça, c'est le Dragon Quest 1 et 2 compilés dans une même cartouche, qui n'est sorti malheureusement qu'au Japon, qui a été traduit en anglais. Si vous voulez vous le faire en anglais, c'est possible, mais pas en français. Je crois que la traduction française s'était arrêtée, ils n'ont pas fini, ou je sais pas quoi. Donc là, il y a le premier et le second Dragon Quest. Donc, clairement, ils ont clairement vieilli, hein. clairement. C'est des RPG qui ont clairement vieilli, mais qui sont toujours bons à faire, surtout en version Super Nintendo, les graphismes sont beaucoup plus beaux. Dragon Quest 3, lui aussi, une adaptation. Regardez-moi comme il est stylé l'artwork. Toriyama, hein. Ça c'est Toriyama. Tous les artworks que vous voyez de Dragon Quest en version japonaise, c'est Toriyama qui les fait. Pff, la classe. Là, la Dragon Quest 5, hein, qui est sorti chez nous, sur DS. La classe. Dragon Quest 6. La classe. Y a rien à dire. Je les possède, hein, en boîte et tout. Dragon Slayer. Alors, c'est plus rien à voir, hein. C'est pas Dragon Quest, là. C'est, on passe à autre chose. Mais l'artwork, c'est plutôt joli. Regardez-moi ça. C'est plutôt sympa. Dragon Slayer, hein,
Le jeu bien pourri sur la SNES. Voilà, on passe. Les jaquettes à son stylo, Earthworm Jim, etc., etc. Alors, je passe à la SNES, on va pas tout faire. Hein. C'est bon, vous connaissez le catalogue de la SNES. Ah tiens, F1 Grand Prix, très bon jeu de F1. Je vous le conseille, même si c'est en vue Micro Machine, c'est-à-dire vue du dessus. Très bon jeu. On va passer au Virtual Boy. Alors, Virtual Boy, j'ai pas mis les jaquettes, je les ai pas téléchargées, mais je pourrais le faire. Alors, le Virtual Boy, si vous savez pas ce que c'était le pseudo-casque 3D, pas de réalité virtuelle, parce que quand on bougeait la tête, ça bougeait pas autour de nous, mais casque virtuel de la Super Nintendo, qui faisait hyper mal à la tête. Je me rappelle, je l'avais testé dans un store, Virgin Megastore à l'époque. À l'époque, les Virgin Megastore, ça n'existe même plus. C'était des endroits où on pouvait tester, il y avait des jeux, des bornes d'arcade et tout. Il y avait un Virtual Boy. Je l'avais testé, ça m'avait filé une migraine parce que tout était rouge, l'écran était rouge. Je vais vous lancer un jeu Virtual Boy, vous allez voir. C'est injouable, je vais vous faire Mario Tennis. La première apparition de Mario Tennis, hein, c'était ça, c'était V-Tennis. Et l'écran était rouge, il y avait un effet de profondeur de zoom et de dézoom, mais c'était imbaisable. Et dites-vous que là, on est en émulation, donc c'était mieux rendu. C'est mieux rendu en émulation quand vous l'avez sur la tête. En plus, le casque était hyper lourd, ça faisait mal à la tête. Il y avait un support pour poser ses yeux et voilà, il vous dit important de rester pas trop longtemps et tout. Il y avait même une option qui permettait de bloquer le jeu toutes les 30 minutes pour pas choper une crise d'épilepsie. Donc, vous voyez, tout ce que vous voyez en rouge comme ça, c'était comme ça. Imaginez-le sous votre gueule, comme un casque de reality virtuelle. Et voilà, regardez, automatique pause, oui ou non. Il valait mieux faire oui quand vous l'aviez vraiment. Moi, je vais maintenant parce que là, on est en émulation. Vous voyez, hop, il y avait des effets de zoom et de dézoom. Vous voyez, hop, pour vous montrer la... Qu'est-ce que je veux dire, l'effet 3D. Ah, je privais Tetris et pas V-Tennis, putain, mais quel con. Bon, c'est pas grave, c'est le Tetris, il est sympa aussi, il est en 3D. Je suis con, je croyais que c'était Tennis, quel con. Donc c'est le vrai Tetris, mais en 3D. Alors, dommage, il n'y avait pas les musiques de Tetris Game Boy. On choisit le niveau, et vous allez voir comment ça se passe, il y a un effet de profondeur, en fait. Vous allez voir comment ça va se passer. Non, c'est pas celui-là, mais attendez, je dis n'importe quoi, je confonds les jeux. Mais c'était pas lui le Tetris. Bon, bref, ça c'était Tetris, rien à voir, alors c'est pas lui. Je confonds tout, je suis une vraie brêle. Attendez, où est-ce qu'il était le Tetris 3D? Parce qu'il y a un Tetris 3D, il y a un jeu de tennis aussi. Mario Tennis, voilà, il est là, quel con. Mais pourquoi je suis allé V-Tennis, moi? C'est V-Tetris, je suis con. Je suis vraiment un sac à merde. Il y a marqué V-Tetris, je suis allé sur V-Tennis dans ma tête. Il y a un Tetris en 3D aussi, où est-ce qu'il est, Tetris en 3D? Putain, il y avait un Tetris en 3D. Je suis en train de chercher sur la liste. Sinon, je vous montre le jeu de tennis. Hein. Galactic, Jacquin. Putain, il y avait un Tetris en 3D, je sais même plus où il est. Je sais même plus comment il s'appelle. Parce que moi, les deux jeux que je connais, que j'ai vraiment joué dans la vraie vie sur le Virtual Boy, c'est le jeu de tennis et le jeu de Tetris en 3D. Bon, Mario Tennis, allez, tiens, on fait Mario Tennis. Et après, je vous montrerai le Tetris en 3D si j'arrive à trouver. Bon, Virtual Boy. Automatic pause, non. Et voilà, regardez, Mario Tennis, c'est le premier Mario Tennis sorti par Nintendo. Et hop, un effet de zoom et de dézoom pour vous montrer la 3D. Un single player en double. Easy tournament. Alors, on va se mettre contre le CPU, on va se mettre en easy. 1-7. Et là en bas, vous voyez, alors c'est assez flou et rouge. Mais ça, c'est Mario. Luigi, c'est écrit. Hein. Princess Peach, Yoshi, Toad, Koopa et Donkey Kong. On va prendre Luigi. Contre Mario, voilà. Vous voyez, regardez comment ça se passe, c'est vraiment de la fausse 3D, mais on est vraiment dans un jeu de tennis. Il est assez sympa à jouer, hein. Je l'avais fait à l'époque. Alors j'ai dû jouer quoi, à tout péter, une trentaine de minutes hein, au Virtua Boy, dans toute ma vie. Et j'avais bien kiffé, mine de rien, mais j'avais un mal de crâne. Oh putain, j'arrive pas à jouer là. Il y a un effet de profondeur qui est assez chiant, il faut le gérer. Il aura toutes les balles. Je suis nul, je suis une merde. Je me fais baiser. Putain, ça y est, on change de cours là. Je passe de l'autre côté, c'est moi qui vais servir. Je suis mauvais, hein. Rien à voir avec... Oh putain, il faut bien taper dans la balle. Rien à voir avec Mario Tennis de la N64. Ok, faute, double faute. Je suis nul. Attendez. Hop. Ah là, j'ai réussi à marquer. Non, faute, comment ça faute? Allez! Ah, j'ai réussi à renvoyer une balle, un miracle. Ah, il a mis dans le filet, bien fait.
Rien à voir avec Mario Tennis hein, de la Game Boy. Comment ça faute? Enfin, de la Game Boy, qu'est-ce que je raconte, moi? La N64, qui était vraiment excellent. Putain, mais n'importe quoi. Oh, que je suis mauvais. Hop. Il y a un échange, c'est un truc de fou, hein, vous vous rendez pas compte? La maîtrise qu'il y a, là! Putain, il a smatché, ce sale bâtard. Allez, on va essayer de le déplacer. Oh putain, il y a un échange de malade, vous vous rendez pas compte, là, de l'effort surhumain que je suis en train de faire pour réussir à vous produire un échange. Putain, j'ai raté, quel connard. C'est chaud, parce qu'il faut gérer vraiment la balle, comme dans un vrai tennis. Putain, il a 40-15. Il a du fil de prestation. Ah putain, j'étais trop en profondeur. Le problème, c'est qu'avec cette caméra qui est juste de dos, c'est assez difficile à gérer. Voilà, Mario a gagné. Bref, c'était Mario Tennis sur le Virtua Boy. C'était sympa, mais voilà, quoi, ça faisait trop mal au crâne. Et puis, puis c'est comme les casques de réalité virtuelle d'aujourd'hui. C'est pas un truc que tu peux jouer hyper longtemps avec. Donc, c'est juste un accessoire gadget et les gens se tirent la nouille dessus. Où est-ce qu'il est, ce Tetris en 3D que j'avais, putain? Enfin, que j'avais. Que j'ai joué. Ah, bah voilà, 3D Tetris, c'était le premier. Quel con. Quel connard. Voilà, les deux seuls jeux que j'ai dosé sur le Virtua Boy pour de vrai dans la vraie vie. Voilà, Tetris en 3D, ça c'était impressionnant. 96. Regardez-moi ça. Ça m'impressionnait parce que je me disais, putain, c'est la 3D et tout. Waouh, regardez. C'était quand même la classe, quoi. Et donc, c'est un vrai Tetris, mais en 3D. Voilà, je choisis mon perso, on s'en fout. Easy, mode. Ouais, il y a un effet de profondeur. Il faut poser les briques. Pour c'est en fonction des étages en fait qu'on fait des Tetris. Et là j'ai un bloc, je peux le tourner. On a une touche normalement pour le rabaisser. C'était laquelle déjà la touche? Pour l'abaisser plus vite comme on fait. Quel connard, c'est quelle touche? Ah voilà, c'est celle-là. Voilà. Et donc c'est en fonction de la profondeur qu'on fait des Tetris et non de la largeur. Faut penser 3D quoi. Et il était assez sympa celui-là, je l'avais bien aimé. Hop. Alors c'est tout con, hein, c'est un Tetris. Hein. Hop. On a un indicateur où on pose le bloc. Hein. Alors ils nous font tourner le support où on met les blocs. Ça c'est un peu naze, mais c'était juste pour nous montrer que c'était en 3D. Regardez, c'est en 3D, ça tourne sur soi. Ce qui est un peu nul parce qu'on aurait préféré un truc fixe pour mieux voir. Mais bon, on a l'indicateur qui nous indique où on met le bloc. Qu'on met. Et le bloc arrive en fil de fer là. Dès qu'on le pose, il se solidifie. Donc là, je viens de faire un trou au milieu. Il faudrait que j'ai un cube qui est là. Hop. Et là, je vais faire un Tetris et je vais remplir la zone du fond. Quoique là, j'ai qu'un cube, donc vaut mieux pas le mettre là. Voilà, le bloc suivant, c'est un bloc à deux d'emplacement. Et voilà, là, je vais faire un Tetris. Hop, ouais. J'ai vidé un bloc. Vous voyez un peu comment ça se passe. Et celui-là, il était sympa, quoi. C'était un peu la révolution quand même à l'époque, la 3D c'était tout nouveau, il n'y avait pas encore des trucs de fou, même si en 96 la PlayStation venait de sortir chez nous. Il n'y avait pas beaucoup de monde, je crois que même si c'est sorti avant un peu la PlayStation, la 3D on connaissait pas trop quoi. Franchement moi ça m'impressionnait, je trouvais ça cool mais je m'étais clairement dit que c'était pas avec ça que j'allais jouer tous les jours quoi. De temps en temps, voilà, je le prenais comme un jeu d'arcade, vous voyez, avec un support et tout. Spécifique, tu joues 10-15 minutes, tu payes un ou deux balles, c'était pas en euros, hein, c'était en francs, tu payes avec 10 francs, tu joues une demi-heure et c'est bon quoi. T'allais pas acheter ça, je sais pas combien que ça coûtait à l'époque, pour jouer tous les jours à Virtua Boy. Et voilà, encore un Tetris, et hop, un étage en moins. Vous voyez mon score en haut à gauche. Bref, voilà, ça c'était Tetris en 3D. Virtua Boy. Voilà, ça c'était le Virtua Boy, ouais. Il n'y a pas beaucoup de jeux, ça c'est tout le full set de la Virtua Boy. Oh, il n'y en a pas beaucoup, vous voyez. Space Invader, Virtual Golf, Telebox, Box, enfin ça a bidé. Hein. Ça a clairement bidé le Virtua Boy. C'était vraiment de la merde. Alors la Game Gear, là aussi j'ai le full set, mais j'ai pas pris les jaquettes. Faudrait que je les télécharge, les jaquettes des jeux. Par contre, la Master System, j'ai les jaquettes. Et ça, c'était stylé. Avec cette typo spécifique, enfin pas typo, mais cette façon de faire des jaquettes Master System avec un quadrillage.
C'était assez stylé, j'aimais bien ce style. Quasiment tous les jeux avaient ce truc. Alex Kidd High Tech World. Hein. Alors Alex Kidd, il y en a eu tellement sur Master System. Moi, j'ai connu que le Miracle World, hein, qui était dans la console sur la Master System 2, si mes souvenirs sont bons, que j'ai fini mais en m'arrachant les cheveux, je me rappelle, avec mon ref. Regardez-moi la jaquette. C'est stylé quand même le dessin. Alf, ouais, quoi, cette tête. Rien que pour la tête et la jaquette, ce jeu, si je le trouve, je l'achète. Quoi. Regardez-moi cette gueule. Le jeu doit être pourrave de chez pourrave. J'aimais bien les jaquettes de la Master System, moi. C'était stylé. C'était la classe. Avec cet effet quadrillage, là. Tac, tac, tac. Hop. On va pas faire tous les jeux de la Master System, mais voilà, quoi, la Master System. Console qui avait la classe. Oh! High School Kinigumi, collège foufoufou. Putain, j'ai envie de voir ce que c'est, ce jeu, je l'ai jamais lancé. Un collège foufoufoufou. Tout le monde est fou. Je savais même pas qu'il y avait un jeu vidéo collège foufoufou. Excellent dessin animé. Sega Mark III. Hein. Oui, parce que le Master System, c'était le Sega Mark III au Japon. Wouah! Le collège foufoufou en jeu vidéo. Fuji TV. Hop. C'est quoi, c'est un RPG, un jeu de plateforme, c'est quoi? Alors, la Master System... Attendez, après ce jeu, je vais vous parler d'un truc sur la Master System. Ouais, il tire la robe. Avec les têtes. Avec les grosses têtes, là, qui font peur, là, qui font... C'est l'esprit du manga. Hein. Ouais, ça doit être... On est dans l'école, là. On doit choisir une pièce. Je sais même pas... Ah, mon téléphone sonne. Ouais. Je décrocherai plus tard. Ouais, on est où là? On est dans un. On est rentré chez quelqu'un, je sais pas ce que c'est. Dommage que c'est un vieux RPG, on comprend rien quoi. Ça aurait été un jeu de plateforme, ça aurait été tellement divin. Ouais, ce que je disais avec la Master System, c'est qu'il y avait un truc spécial. Ouah, il y a lui là, celui-là c'était le gros mangeur. Il faisait que bouffer et chier. Il y a une scène notamment où il mange et il chie en même temps dans le dessin animé. Il est dans les toilettes et il bouffe en même temps, il peut pas s'arrêter de bouffer. Regardez, mais d'ailleurs, c'est le gros mangeur, ils lui ont mis une ils ont mis un pèse personne à côté. Ah tiens, elle est assez pesée. Ah, c'est dommage que ça soit pas un jeu d'action un peu... Merde, j'appuie pas. Bon, laisse tomber. Bref. Oui, je disais, je me coupe de partout, c'est pas grave. Oui, la Master System avait une puce spéciale au Japon, la FM quelque chose, qui permettait d'avoir un son excellent, c'est-à-dire un son comme ce qu'on vient d'entendre, parce que j'ai activé l'option, mais en réalité, en Europe et en Occident, enfin, ouais, en Occident, j'ai arrêté de dire en Europe et en Occident, en Amérique ou en Europe ou en Occident, je vais y arriver, on avait un son pourrave, on avait un son de merde, mais vrai, quand je dis de merde, c'est de merde, et l'exemple parfait, c'est Double Dragon de la Master System, je vais vous montrer ça tout de suite, Master System Double Dragon, non, je suis dans les S là, hop, on va monter à D, Double Dragon, il est ici, la World version, hein. C'est-à-dire pour le monde entier, on n'avait qu'une seule et unique version, on va le lancer, et écoutez-moi, le son de la musique, je vais monter le son. Écoutez-moi le son de la musique. Vous voyez, ça, c'était la version japonaise avec la puce FM. Là, dans les options de l'émulateur, je vais enlever la puce FM. Donc, c'est un truc que... qu'on peut modifier hein. La puce FM, ils la vendent sur eBay. Si vous avez une cartouche, une overdrive, c'est-à-dire une cartouche où on peut mettre plein de ROM et la brancher sur sa console, il y a certaines cartouches overdrive qui ont la puce FM et vous pourrez profiter du son FM de la Master System. Or, là, je vous ai fait écouter la musique FM et je vais enlever la puce FM si j'arrive à trouver l'option de la Master System. Voilà, FM YM 2413. C'était ça la puce audio qu'on n'avait pas en Occident. Je vais l'enlever, voilà, off, je vais mettre sur off, et je vais redémarrer le jeu et écouter le son qu'on avait en Europe et aux États-Unis. Je vais augmenter le son, et je vous laisse écouter. «
Ouais, c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même tartine, j'ai envie de dire. C'est pas la même chose, hein. Mais le son faisait beaucoup plus 8 bits sur en Europe et aux États-Unis qu'au Japon, parce qu'ils avaient cette fameuse puce FMYM2413 qu'on ne possédait pas. Et là, j'active l'option juste une dernière fois pour que ça vous rentre bien dans le crâne. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma manette s'est débranchée? Oh là, ma manette ne marche plus, au secours! RetroArch qui a planté. C'est énorme, ça c'est parce qu'à force d'enlever et de remettre la puce, évidemment, il fallait qu'on plante l'émulateur. Quel con. Attendez, on relance l'émulateur. Ah là, fait chier. Fait chier, fait chier. Ça fait chier. Voilà. Attends. Hop, en plus il est en mode violet. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Tac. Hop. Ouais, j'avais un fond noir, maintenant il est violet. On sait pas pourquoi. C'est la fête. Il est où le truc? Double dragon. Allez, il est où le dé? Putain, je suis passé à R. Ça va tellement vite quand on scrolle les jeux. Temps. Tac, 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 tac. Voilà, double dragon. Word. Lancer. Là, il y a la puce FM, je crois, qui est mise d'office. Ouais, écoutez le son. Enfin bref, le son est meilleur quoi. Le son est meilleur sur la version japonaise avec la puce FM. Et ça, c'est cool avec l'émulation par la puce FM. Donc là, le son est violet, on sait pas pourquoi, mais c'est pas grave. Donc ouais, j'ai fait pareil aussi pour la Mega Drive, aussi avec les jaquettes, etc. On va pas tout refaire, etc. Là, le Mega CD aussi. L'émulateur prend le Mega CD, là j'ai pas mis les jaquettes, mais je les mettrai. La Saturn, évidemment. Qui fonctionne, c'est le meilleur émulateur Saturn qui soit sur RetroArch. Si vous voulez émuler de la Sega Saturn, il n'y a pas photo, prenez l'émulateur RetroArch, faites une configuration et vous avez le meilleur émulateur de la Saturn sur RetroArch. Alors, par exemple, on va lancer un petit Metal Black. Il tourne aux petits oignons. Nickel. Comme sur la console d'origine. Metal Black, un très bon shmup. Très sympa, avec des belles musiques. Et des beaux graphismes, même si c'est pas mon préféré, mais il a de la gueule quand même. Taito. Ah là, on est passé sur une 32 bits, hein. Ça se voit les effets et tout. Ça reste de la 2D, mais de la 2D très bien gérée. C'est de la Saturn, donc j'appuie sur Start. Et là, si vous connaissez les vidéos de Barbie, ben forcément vous allez reconnaître les musiques. Hein. Barbie, il a tellement exploité les musiques de Metal Black, c'est violent. Sur les anciennes vidéos, hein, sur les anciennes vidéos de Barbie, si j'augmente la musique, je me laisse écouter. Metal Black, un excellent jeu. Regardez-moi les graphismes, les détails et tout, c'est excellent. On se croirait dans un Metal Slug, tellement c'est détaillé au niveau des ennemis. Ça change des shmups futuristes ou quoi là, Yann? Il y a un style. Sur Saturn, il y avait pas mal de shmups comme ça, très stylés dans le design. Regardez cette lumière de grenouille qui nous attaque, ça ne veut rien dire. C'est complètement schnapps. Ça veut tellement rien dire. Eh merde, j'arrête pas de crever. Je suis mauvais. Je me suis pas entraîné, hein. Je jouais à la Zob. Donc ouais, Metal Black, voilà. Donc là, Saturn, meilleur émulateur Saturn, c'est sur RetroArch que ça se passe. Alors, il y a certains jeux qui tournent très mal, mais c'est 3-4 jeux. Grand max. Tout le reste, ça tourne très bien le catalogue Saturn. C'est ceux qui utilisent le moteur graphique de Virtua Fighter, qui tourne un peu au ralenti. Enfin, pas au ralenti, il tourne très bien, mais
il y a genre 2-3 FPS en moins, donc des fois il y a quelques sautes, mais sinon ça passe bien. Ouais, Virtua Fighter, je pourrais le tourner, faire tourner tranquille. Sega Rally tourne très bien, Radeon Silver tourne très bien. Night Striker, c'était un très bon jeu qui tourne très bien. Megaman X3, hein, qui était sorti sur Super Nintendo et aussi sur PS1 et Saturn. La version Saturn est très bonne, parce qu'elle est cinématique et tout en animé. Je vais pas vous la montrer parce que sinon c'est très long. Il y a le Dragon Ball Z, la grande légende des boules de cristal, qui est sorti sur PlayStation, mais que au Japon. Et en France, il est sorti que sur Saturn. Un des rares jeux où il n'y a que la version Saturn qui est traduite. Et non la version PlayStation qui n'est pas traduite. Darius Gaiden, Burning Ranger, alors c'est un des rares jeux qui tourne un peu au ralenti par moment, pas tout le temps. Athlete Knight, qui est excellent, que c'est l'un de mes premiers jeux sur Saturn que j'ai eu, et Alien Trilogy, qui est sorti aussi sur PlayStation. On a aussi le meilleur émulateur de la PlayStation sur RetroArch. Il émule à la perfection la PlayStation. Mais vraiment, quand je dis la perfection, c'est vraiment la perfection. C'est pas de l'émulation comme EPCSX, parce que beaucoup de gens, à chaque fois qu'ils veulent jouer à la PlayStation, utilisent EPCSX ou PCSX, qui sont des émulateurs de début, qui sont corrects, mais qui émulent très, c'est pas fidèle à l'original. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop lisse. Graphiquement, c'est pas la même chose. Là, c'est vraiment de l'émulation pure. Je l'ai testé de moi-même. C'est exactement le même jeu sur console que sur cet émulateur. Il n'y a pas à chier. L'émulation est juste parfaite. Il y a rien à dire. On va tester sur Resident Evil 2. En ce moment, je me fais des Resident Evil. Je m'étais fait les deux premiers en Director's Cut et en version remaster. Et là, en ce moment, je me fais Resident Evil 2. Attendez, est-ce que c'est le CD2 que j'ai tué? Voilà, CD1, lancé, que je fasse pas de conneries, j'ai une save state normalement. Si tout se passe bien, regardez, il y a même le starter de la console qui se lance, le BIOS. Voilà, non, ben forcément, c'était pas le. Putain, mais merde. Qu'est-ce que j'ai branlé? Evil 2! Oui, mais je voulais ma partie, me dites pas que j'ai perdu toute ma partie. Je m'arrache les cheveux de la tête. Attendez, j'ai fait le CD1 ou le CD2? Attention, attention! Si j'ai perdu ma sauvegarde, je vous coupe la bite. CD2. Parce que je suis au scénario de Claire Redfield, scénario B. Parce qu'il y a quatre types de scénarios. Il y a scénario A et B pour Léon et scénario A et B pour Claire. Et. Ah, voilà, c'est ça. Et donc, voilà, ouais, il tourne à la perfection. C'est comme ça que le jeu tourne en Europe et tout. Excellentissime. Alors, je vais vous montrer un truc assez intéressant avec cet émulateur. Il faut que je vous le montre. Il faut savoir que toutes les consoles de jeux vidéo qu'on a, on peut les overclocker comme un PC. C'est-à-dire que la PlayStation peut être overclockée, la Saturn peut être overclockée, la Mega Drive peut être overclockée, la Super Nintendo peut être overclockée, la NES aussi. Toutes les consoles peuvent être overclockées. C'est quoi le overclocking si vous savez pas, vous n'avez pas cette notion-là? C'est de upgrader, de monter les performances de son CPU. Pour qu'il donne plus de puissance. Par contre, c'est assez dangereux parce que vous faites chauffer le CPU, vous pouvez faire brûler votre CPU, c'est-à-dire la puce principale de votre carte mère de votre console, et la console peut brûler ou peut être défectueuse, etc., etc. Mais il y a certains sur Internet, vous tapez overclocking console, qui le font en gérant le refroidissement du CPU, etc., pour donner plus de puissance aux consoles. Par exemple, la PlayStation a un overclocking assez sympa qui donne des jeux beaucoup plus fluides. Par exemple, sur Resident Evil, vous voyez là, Resident Evil 2 est assez lent, mou du cul en 50 Hz en version européenne. Vous voyez, regardez, quand elle court, on dirait qu'elle court un petit peu au ralenti, là, le personnage Claire Redfield. Vous voyez, quand elle court, elle est un petit peu. On dirait qu'elle court en slow motion, un petit peu, vous voyez, au ralenti. Salut John! Comment on va? Vous voyez là, elle court un peu au ralenti. Or, l'émulation. Tellement elle est excellente sur RetroArch, il y a une option qui permet d'overclocker le CPU. Alors, d'overclocker virtuellement, parce qu'on n'est pas sur une vraie console, donc ça prend aucun risque. Et là, je vais vous montrer l'overclocking avec l'émulateur de RetroArch. C'est assez excellent. Regardez. Alors là, on a la fréquence du CPU à 100% en native, c'est-à-dire que le CPU de base de la PlayStation. Et là, je vais le monter à 100%. Alors, des fois, il n'y a pas trop de différence. Certains jeux qui prennent pas en compte l'overclocking, et comme ce Resident Evil là, enfin, ce jeu Resident Evil prend en compte l'overclocking. Vous voyez là, je vais le monter à 160, parce que c'est à partir de 160 qu'on voit une différence. Avant, on ne voit pas trop de différence. Donc là, je peux le monter, je le monte à 160%. Donc je booste un petit peu le CPU. Et vous allez voir que le jeu est beaucoup plus fluide. Regardez, là. Je sais pas. Alors, je sais pas si vous distinguez la différence à l'œil nu. Moi, je le sens au gameplay. Elle court un peu plus vite. Je monte un petit peu. Hop, là, elle va trop vite, par exemple. Vous voyez? Donc ça donne un jeu beaucoup trop speed, là, vous voyez? Là, j'ai overclocké le CPU de 10-20%, pardon.
Et ça allait trop vite. Donc là, le mieux, c'est de le mettre à 170. À 170, vous voyez, il y a des saccades. Et le Overclocking n'aime pas ça. Donc le mieux, c'est de le mettre à 160. Et d'avoir un jeu un peu plus fluide que à l'accoutumée. Mais ce n'est pas de l'accélération. C'est juste de l'overclocking. Vous voyez ce que je veux dire? Claire devient légère comme une plume. Ah, c'est ça. Bah, on peut aller jusqu'à... Alors là, regardez. Ça, c'est n'importe quoi. Regardez, on peut jouer comme ça. Hein. Tiens, hop. Ça va aller très vite. Alors, c'est pas de l'accélération. Hein. Nuance. Hein. Dites-vous bien que là, le jeu n'est pas en accéléré. C'est vraiment comme si on boostait les performances de la PlayStation. Et le jeu, là, il n'a pas un contrôle de framerate propre. Vous voyez, la musique, par exemple, elle n'est pas en accéléré. Je sais pas, je vais vous monter le son de la musique. Écoutez, la musique n'est pas en accéléré. Donc c'est pas une accélération du jeu en émulation. C'est vraiment de l'overclocking de la 3D. Ouais, c'est ça. Benny Hill style, pas comme ce camion de Lara Croft. Ah bah oui, Lara Croft, on peut aussi overclocker pour qu'elle aille plus vite. Et donc là, ça va plus vite. Bon, le mieux, c'est de baisser et de le mettre à 160%. Voilà, pour avoir un jeu un peu plus fluide que normal. Claire Super Saiyan, c'est ça. Pour accélérer, là j'accélère. Je vais vous montrer la différence entre l'accélération de l'émulation ou pas. Écoutez la musique. Je vais vous monter le son. Et là, la musique saccade un peu, etc. Alors quand là, c'est de l'accélération. Alors que tout à l'heure, c'était pas de l'accélération. Donc ouais, l'émulateur RetroArch pour la PlayStation, c'est le meilleur parce qu'il vous permet d'overclocker les jeux pour leur donner un framerate décent. Voilà. On va passer, on va changer de support. Et je vais vous montrer le... Tiens, je vous ai pas montré. Je vous ai montré la PlayStation, la Saturn, la NES, la SNES, etc. Mais je vous ai pas montré le Famicom Disk System qui était excellent à l'époque parce qu'il permettait d'avoir des jeux NES avec des sons meilleurs. Et notamment Zelda, le tout premier qui avait un meilleur... Merci du tuyau. Bah écoutez, hein, c'est des tuyaux comme ça, hein, tranquillou. Hein. Alors ça, le Famicom Disk System, c'était ouais, voilà, c'était le support disquette de la NES, de la Famicom pardon plutôt, qui permettait de jouer au jeu Disk System, qui permettait d'avoir des sons meilleurs pour certains types de jeux. Par exemple Zelda, le tout premier. Vous allez voir que le son n'est pas pareil. Ouais, j'ai presque le son, attendez, mes oreilles. Mes oreilles, putain, j'ai baissé un peu le son. Alors ça, c'est ce que vous voyez là, c'est le BIOS du Famicom Disk System, tant qu'on n'aura pas mis de disquette à l'intérieur du port disquette de la Famicom, ben on avait ça, ce petit écran avec Mario et Luigi qui s'amusent à éteindre et rallumer la lumière. Et l'émulation est tellement bien foutue qu'on a une touche pour émuler quand on met une disquette. Oui, là, ce qu'on a derrière, ça, c'est marrant. Regardez, là, j'appuie sur le bouton, soi-disant, je mets la disquette dans le support disquette. Écoutez, now loading. Donc, il y a des temps de chargement sur des disquettes. C'est la seule fois où vous verrez des jeux NES avec des temps de chargement. Évidemment, parce qu'on était sur support disquette. Là, vous voyez, il y a écrit B et machin en caractère japonais en dessous de Legend of Zelda. Zelda, quoi. Ben, B, en fait, c'est... Il t'explique qu'il faut... Parce que là, on a que l'écran titre, mais on peut pas jouer. Si j'appuie sur Start, il se passe rien, là, par exemple. On aura que un écran titre. En gros, ce qu'il nous demande, là, le truc B, c'est de retourner la disquette. Parce que, comme à l'époque, les disquettes avaient deux faces, vous voyez. Il fallait les retourner pour avoir la face A et la face B. Donc là, il faut que j'appuie sur une touche pour lancer le jeu. Donc je vais appuyer sur une touche pour retourner la disquette. Attendez, non, d'abord il faut que j'appuie sur la touche pour sortir la disquette et une touche pour retourner la disquette. Normalement ça devrait fonctionner. Voilà, là, petit temps de chargement. Donc là ils me disent chargement. Parce que sinon le jeu ne se lance pas et on a l'écran titre. Et là vous voyez, hop, imaginez, je sors une disquette, je la retourne, je la remets dans le lecteur disquette et là on a mes parties sauvegardées. Enfin là j'ai juste lancé une fois une partie. Je lance, j'appuie start. Et le jeu se lance normalement avec un petit temps de chargement parce qu'on est sur support disquette. Ça émule le temps de chargement. Et normalement, si vous tendez bien l'oreille, le son est meilleur parce que la stéréo est... la stéréo est prise en compte. Et les sons sont un peu mieux, je trouve, que la version NES normale. Donc là, c'est en japonais. Et je te plante avec mon épée et je m'en vais. Et donc, c'est le vrai Zelda. Sur Famicom Disk System, qui était un peu meilleur au niveau du son. Sinon, c'est le même jeu. Hein. Faut pas déconner, c'est le même jeu. Avec juste un son un petit peu meilleur, parce qu'on est sur support disquette, il y avait plus de mémoire. Vous voyez là, le bruit de l'épée contre la balance, ça fait brrrr, comme ça. Le son était un petit peu meilleur. Ouais. Famicom Disk System, hein, qui n'est jamais sorti chez nous, qui a porté ça. Il n'y a pas eu beaucoup de jeux qui ont exploité le Famicom Disk System. Mais certains titres de Nintendo
était optimisé pour le Famicom Disk System, en tout cas. Donc, là, c'est pas maîtrisé de temps. Comme les laserdisc, il fallait retourner le disque au milieu du film. C'est ça, voilà, oui. Putain, ça, c'est une vieille époque, les laserdisc. Il fallait retourner, ouais, c'est exactement ça. Là, c'était pas pour la moitié du jeu. C'était juste pour l'intro, généralement, qu'on retournait... La disquette. On avait l'intro sur... Là, je peux pas la prendre, voilà. T'as un coup d'épée, on prend Ruby. Et normalement, si mes souvenirs sont bons, si j'arrive à avoir une bombe... Ah merde, je suis touché. Allez, filez-moi une bombe. Petite astuce du cactus. Je peux récupérer un cœur caché pas loin. Si j'ai pas assez... j'arrive pas à farmer une bombe, je vais même payer une bombe pour vous montrer un cœur caché. C'est un jeu que j'ai dosé, Zelda 3. Hein. Zelda 3, n'importe quoi, Zelda 3. Zelda le premier, tu veux dire. Voilà, hop, non, toujours pas de bombe farmée, par contre j'ai des rubis, je vais pouvoir en acheter. Allez, faites pas les radins, filez-moi des bombes. Une bombe, je vous prie. Et merde, je vais crever avant d'avoir une bombe. Je vais être bien ridicule. Ah, je vais crever. Petit cœur. Combattre les têtes de chat, saute. Avec la manette Famicom, on pouvait souffler dedans. Ah oui, c'est vrai, oui, oui. Oui, t'as raison, oui. Effectivement, j'ai pas lu tout ton message, mais oui, c'est vrai, il y avait un micro dans le micro. Dans la manette Famicom, t'avais raison. On pouvait les battre. Exactement, en soufflant dans la manette. Ça a été repris, ça, sur... Sur Wii. Eh merde, je suis mort comme une merde. Je suis devenu tellement mauvais à ce jeu. Bref, il y avait une bombe juste au début du jeu. Fallait... Enfin, une bombe, un cœur, en fait. On posait une bombe sur le mur et ça faisait péter et tout. Alors, on pouvait sauvegarder aussi, hein. En fait, faut savoir qu'on pouvait sauvegarder sur le Zelda de la NES, de la NES, avec deux manettes, il fallait deux manettes pour pouvoir sauvegarder. Ça, pas beaucoup de gens le savaient, j'avais l'impression, que souvent on n'en parle pas, mais c'est vrai qu'on pouvait sauvegarder avec deux manettes. Il fallait appuyer sur Start sur l'autre manette pour pouvoir sauvegarder. Et là, sur le Famicom Disk System, on peut sauvegarder comme ça, au pif. Pas besoin de deux manettes, vous voyez. Bref, donc voilà, le Famicom Disk System... avait des petits ajouts intéressants, mais il n'y avait pas beaucoup de jeux là. Vous voyez, j'ai le full set robe du Famicom Disk System. Il n'y en a pas tant que ça, des jeux. Bon, il y en a pas mal, mais il n'y en a pas tant que ça. Et parmi certains jeux, il y avait quelques jeux de cul, non licenciés par Nintendo. Regardez, attendez. Ouais, notamment ça, avec les petites jaquettes intéressantes, qui n'étaient pas licenciées par Nintendo. De toute façon, à chaque fois qu'il y avait des supports spéciaux pour des consoles à l'époque, il y avait toujours son lot de jeux de cul. Le Mega CD en avait. Le Famicom Disk System on avait, etc, etc. Et là, voilà, hop, plein de jeux. Alors souvent, c'est des jeux injouables, tout en japonais, avec des mahjong ou des trucs comme ça. On comprend que là, regardez, hop. Et souvent, des gamines un peu glauques, hein, les artworks de jeux de cul. Voilà, hop, ça, tiens, c'est Nintendo, bien sûr, ouais. Bishoujo Alien Battle, tiens, on va lancer, on va rigoler. Please, insert le disque card. On va se pignoler sur des pixels. Ça va être marrant. Ouah, il y a du sang, regardez-moi ça. Ah, c'est pas très Nintendo tout ça. Hein. On se demande ce que faisait Famille de France au Japon. En même temps, c'est Famille de France au Japon. Inside B, voilà. Donc là, ils te disent de ressortir la disquette pour mettre le côté B. Mais j'ai zappé l'intro comme un con. Vous voyez ? Now loading. Là, c'était écrit en anglais. Même si c'est un jeu japonais. Maintenant, il y a un petit temps de chargement. Mais ça reste un jeu NES, hein. Techniquement. Vous affolez pas, les gars. Select. Je comprends rien du tout. J'ai baissé le son dans mes oreilles parce que c'est assez strident. Alors, qu'est-ce que c'est? Peut-être un jeu de plateforme? Ah non, pas du tout un jeu de cartes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ah, c'est un jeu de poker. Poker menteur. Ah, j'y connais rien au poker, je suis tellement une tanche. Ok, d'accord, ok la vanne. Je comprends rien. Bon, bah écoutez, ciao. Voilà quoi. C'était un jeu de cul où on ne comprend rien. Voilà. Bref, il y avait Dracula, hein. Il y avait Castlevania, enfin plutôt. Akumajo Dracula, qui était sorti sur le Famicom Disk System. J'ai le... Ouais, un Alien Poker, c'est ça. J'ai le full set GBA aussi, avec toutes les jaquettes GBA. Bon, ça c'est beaucoup plus récent, hein. Ça, c'est plus proche de nous, la GBA, avec son lot de jaquettes génériques. Alors là, les jaquettes sont pas très belles sur GBA,
Généralement, c'est des trucs hyper génériques. Voilà, par contre, pour les Castlevania, c'est assez stylé. C'est toujours des artworks, notamment de Madame Kojima, pas Hideo Kojima. C'est Madame Kojima, j'oublie toujours son prénom, parce que je retiens Hideo Kojima, mais la Kojima de Konami Castlevania, je retiens jamais son prénom, je sais qu'elle s'appelle Kojima comme Hideo Kojima d'MGS, mais c'est pas la même personne. Donc ses artworks, ça elle, Aria of Sorrow, un des meilleurs Castlevania, il est excellent. Harmony of Dissonance, moyen, on va dire, j'aime pas trop, il y a un petit liseré bleu autour du personnage, parce que c'était à l'époque où la GBA SP n'était pas encore sortie. Donc l'écran n'était pas rétroéclairé et ils ont eu la mauvaise idée de faire un liseré tout bleu autour du personnage pour qu'on puisse voir notre personnage, ce qui donne un côté pas très très joli. Puis voilà, après on a des jeux génériques. Voilà, ça a commencé à avoir des flopés de jeux génériques. Alors on n'avait pas de jaquette. Ouais. Après il y a eu beaucoup d'adaptations. Comic Zone est sorti sur GBA. Le Contra Advance qui est sorti sur GBA, c'est le Contra de la de la Super Nintendo. Crash Bandicoot. Voilà, Crazy Taxi sur GBA. Pas mal eu d'adaptation de jeux 3D aussi sur GBA. Notamment le Max Payne de la GBA qui est excellentissime. Dead to Right hein, aussi, hein, le clone de Max Payne du pauvre, qui est sorti sur GBA. Il y a tellement de jeux génériques sur GBA. Mais il y a quelques bons jeux. La Game Boy, pareil, j'ai toutes les jaquettes. Normalement, il y a certains qui n'ont pas de jaquettes, mais bon. Globalité, ouais, Game Boy Color, Game Boy Normal, je crois que j'ai pas les jaquettes. Non, si, j'ai les jaquettes. Voilà. La GameCube, j'ai pas les jaquettes. La N64, j'ai mis, mais c'est un bug, donc y a pas les jaquettes. Bref. On va s'arrêter là, les copains. Ça va faire, je sais pas combien d'heures. Il est déjà 20h, putain de merde. Il est déjà 20h, j'ai plus de voix. Voilà, bon, ben voilà. Je vous ai présenté un peu l'émulateur RetroArch. Avec quelques jeux. Et puis, voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de stream. Qu'on m'avait écrit sur les commentaires, il y avait 2-3 personnes qui m'ont dit, ouais, ça fait longtemps que t'as pas fait de stream. Ouais, mais bon, voilà. J'avais pas envie d'en faire. D'autres chats fouettaient dans ma tête, etc. J'avais d'autres trucs à faire. Bref, merci d'être passé pour ceux qui sont passés. Merci à John, merci à Ellie qui était passé, à Volpi qui m'a fait un don que je vais lui rendre parce que je peux pas encaisser, j'ai plus de compte en banque. Puis voilà. Merci d'être passé. Des bisous tout le monde. À la prochaine. Salut. Salut, tiens, on va se laisser. On va se laisser sur l'intro de Biohazard Director's Cut en japonais. Je sais pas, je savais pas sur quoi se laisser pour tenter live. Merci à toi, John. Ciao Pepito. Ah, mais c'était Barbie. Je savais pas que c'était toi. PlayStation. Voilà, tac, intro. Allez, je vous laisse. Ah merde, j'appuie sur l'autre state. Mais quel connard. Mais quel connard, j'appuie sur l'autre state. J'appuie sur load state. Donc ça a passé l'intro. Bon, tant pis. Oh là là, je veux faire des trucs et j'y arrive pas. Qu'est-ce que je peux. Une intro. Une intro! Ah, tu sais quoi? L'intro de Mega Man X3 sur Saturn. Voilà. Une queue. Non, c'est pas Barbie, je copie. Ok. Allez, start. Ah, Mega Man X3, et je me casse. Salut.